Les amis, merci d'être présents. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et je suis vraiment heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler de jeux vidéo et ce soir, quoi de mieux que de recevoir des personnes qui me sont chères et on va les accueillir tout de suite sans plus attendre. Si ma souris veut bien se réveiller. Ah oui, elle est là. Hop, on est bon. On va accueillir tout le petit monde qu'il y a là. On aura John Sparrow, Kizban, Voodooman et Gamix ce soir. On est un petit casting au complet. Moi, j'aime bien quand on est 4-5 comme ça. C'est bien pour parler jeux vidéo. Comme ça, tout le monde aura plus ou moins la parole. Alors, je vais juste intervertir ces deux-là. Comme ça, ils se regardent. Voilà, j'aime bien que tout le monde se regarde. Ça va, les gars? Ça va. Super. C'est un plaisir de vous avoir. On va parler des jeux vidéo qui nous ont marqués ce soir. C'est un thème qui est un peu. On peut faire ce thème-là tous les mois, en fait, avec des invités différents, puisque les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais avant d'attaquer ce sujet, il y a une news, et je l'avais postée dans mon Discord. D'ailleurs, il faudra que je reposte le Discord dans la communauté pour que les gens nous rejoignent sur Discord. Et c'est une news qui m'a un peu. Interloqué, je voulais qu'on en parle ce soir. La news du jour, c'est la fin de production du PSVR 2, les amis, temporaire. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars, avec le PSVR 2 sur la PlayStation 5? Vous avez vu cette news? Tout le monde a vu? Oui. Ouais. Alors, c'est officiel, du coup, là, c'est sûr. C'est Alors, plus officiel. Parce que on n'était pas sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est, en même temps, c'est. Oh, c'est un peu... Il n'y a rien de vraiment surprenant. Hein. Un Après, accessoire t'as vu le prix du truc aussi. Voilà. Alors, le prix. Le prix, il est de combien, les gars? On va le rappeler rapidement. C'est 500 balles, je crois. Ouais, je crois. Je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est aux alentours de 500 euros. Ouais. Donc, c'est 600 par là aussi. 600 canadiens. Alors, tu mets 500 balles pour ta console. 600 balles, on va dire, pour 1200 balles, 1100 balles, t'as le combo à. En pour acheter un jeu et c'est assez excessif quand même quand tu sais que c'est un gadget. Ça plus le fait qu'il y a pas vraiment le jeu des grosses claques qui prennent partie du système quoi, c'est des petites expériences, c'est toujours des t'as le fameux Alix quoi, mais à part ça ce sont des expériences plus que des vrais gros jeux, des vrais ouais, mais la VR c'est plus destiné à faire des expériences que des jeux, moi je pense, mais Ouais, tu ne penses pas que ça évoluera vers... Mais je ne me vois pas faire 20 heures avec un casque sur la tête. C'est ça. C'est ça, c'est le principe même de la VR. Quoi. C'est... Autant pour des expériences tu vois, de 20-30 minutes, je pense que c'est bien. Et il y a plein d'autres applications, par exemple des cuisinistes, des choses comme ça, qui vont te faire visiter une cuisine en 3D ou des appartements sur plan. Ou, tu vois, je pense qu'il y a plein d'applications, mais pour du jeu vidéo, je reste assez peu convaincu ou alors sur des expériences assez courtes. Ouais. Comme... Est-ce que tout le monde a le PSVR avant que tu réagisses, tout le monde a le PSVR premier du nom ou deux? Le premier, je l'avais, je l'ai justement vendu peut-être 3 mois plus tard parce que ça ne me correspondait pas. Alors, c'était impressionnant, hein, une expérience, comme tu dis. C'était cool. Voilà, mais pareil, je me vois pas jouer des heures au VR. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais c'est vraiment un petit public hein, quand on y pense. Il y en a très peu qui jouent des heures et des heures. Voilà. Ceux qui aiment bien en plus, le jeu multi, tu vois, prend beaucoup de place aussi dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en VR, il n'y a pas énormément de jeux multi. Et puis, c'est pas vraiment fait pour ça non plus. Les rares qui sont en multi marchent pas à des masses. Bon. Il me semble, il y a un jeu multi en VR qui était plutôt pas mal sur PlayStation 4. C'était Bravo Team, un jeu un peu à la Rainbow Six, mais en coop. Mais hormis ce jeu-là, voire quelques autres jeux, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Mais Ah oui. imagine-toi un Fortnite en VR, tu vois des jeunes jouer 4, 5, 6 heures d'affilée comme certains font, juste Alors. sur du avec le casque. J'ai du mal à. Moi, je vois ma fille comment elle consomme Fortnite dans le canapé le soir, sur la Switch, en portable. Ou... C'est bien plus pratique pour eux que j'ai l'impression qu'un casque. Enfin, je reste assez sceptique sur du jeu, sur des vraies expériences narratives. Ou... Bah, après, on n'en est qu'au balbutiement quoi, de cette techno. Bon, ça fait quelques années déjà, mais ça commence à peine. Tu vois, le 2, c'est le PSVR 2 qui fait fi de tout ce qui est branchement, câble et tout, là. Donc, c'est déjà un peu plus pratique. Peut-être que dans 3-4 versions du PSVR
Après, c'est vrai qu'en termes jeux vidéo purs, Gabi, que je crois que tu as dit ça, c'est vrai que c'est limité, c'est plus d'expérience. Après, pour le PC, là, il y a beaucoup plus, c'est ouvert à beaucoup plus de choses, comme tu disais, voilà. Tiens, tu pourras visiter des maisons dans le futur, au lieu de te déplacer, tu veux déménager, bah, tu pourras visiter ta maison en VR, ta future maison. Donc, ouais, il peut y avoir plein de trucs pratiques, mais plus pour le PC, je trouve, l'Oculus, ou je sais pas, plusieurs casques sur PC. Mais en termes de jeux vidéo purs, de gaming, voilà, c'est compliqué d'avoir des petites expériences pour aussi cher, quoi, pour 500 balles. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit que dans le futur, les jeux vidéo, ça sera du VR, on sera dans l'immersion totale, mais on voit que ça fait un peu. Et pourquoi pas de la réalité augmentée, plutôt. Plutôt, ouais. Alors, c'est quoi la différence? Ah, voilà. Bah, t'es pas dans un monde cloisonné, t'es pas cloisonné, tu vois, t'es pas fermé, t'as quand même le monde autour de toi qui tu vois le monde autour de toi. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on avait sur la 3DS, un peu. Le principe de la réalité augmentée, c'est que tu rajoutes une couche sur la vraie vie. Donc, en fait, c'est pratique, par exemple, ce qui serait parfait, ça serait d'avoir des lunettes avec réalité augmentée, ce qui fait que, par exemple, tu es en train de te déplacer en piéton pour aller quelque part, et c'est sur les verres de tes lunettes qu'apparaissent les flèches pour savoir dans quelle direction tu dois aller, par exemple. Comme le casque ou alors, Apple. Tu cherches... Comment ? Le casque Apple fait ça. Oui, voilà. Je sais plus. Et c'est pour ça que moi, depuis le départ, la réalité virtuelle m'intéresse très, très peu, alors que la réalité augmentée m'intéresse énormément. Et je vois qu'on est en train de focaliser énormément d'énergie et d'argent dans la réalité virtuelle, alors que c'est la réalité augmentée qui me semble beaucoup plus prometteuse. Alors, c'est intéressant parce que réalité augmentée, j'ai acheté sur PS3 là récemment, je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai commandé, le Wonderbook, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un livre avec une caméra. Il est juste là. Ah oui. Alors, exactement, c'est celui-ci que j'ai acheté. Alors, c'est sympa ça ou pas? Mais je l'ai acheté il y a un mois, donc j'ai pas eu le temps de l'essayer. Donc je peux pas te dire. Au moment de sa sortie, c'était intéressant. Aujourd'hui, ça fait quand même très daté. Mais au moment de sa sortie, c'était vraiment sympa. Ouais. Moi, je l'ai aussi. Alors, tu l'as testé, Tisman? Je l'ai pas encore testé, non. Par contre, je vois à peu près comment ça fonctionne. Oui, en fait, c'est ça, c'est quoi? C'est un bouquin que tu mets devant toi quand t'es assis, quoi. Et avec ton PlayStation Move, tu vas invoquer des sorts. C'est quoi? C'est l'espèce de code qui est à l'intérieur du bouquin qui va te faire animer tout ça, tous tes sorts. Donc, ouais, ça peut être sympa. Ouais. Il y en avait plusieurs, il y a toute une gamme de Wonderbook là, qui sont sortis. Il y avait les dinosaures, là, ça, c'est le Book of Spells, c'est le plus connu de tous. Il y avait le Book of Potions aussi, ou je sais pas quoi. Il y a une petite gamme de Book of Spells comme ça. Alors, s'il y avait une baisse de prix, les amis, du PSVR 2, admettons, il soit proposé à 199 euros. Une chute drastique. Est-ce que vous seriez tenté par cet objet? Non, pas du tout. Pas pour moi. Non. Alors, personnellement, peut-être. Je me suis demandé si ce qui se passe avec le PSVR 2 pouvait pas être lié à l'annonce imminente, enfin ou prochaine, officiellement de la PS5 Pro. Est-ce que au bout d'un moment, ils vont pas avoir besoin de passer à la PSVR 3 et que le seul moyen d'entériner le fait qu'il va falloir passer à la génération du dessus, c'est de dire que la 2 est dépassée et qu'on devra passer à la 3 pour la PS5 Pro. Alors, d'autres qui seraient intéressés ou pas? Personne? Non. Moi, c'est possible. Alors, pour 200 balles possible, parce que tu sais, moi, j'adore, donc c'est très personnel, les jeux d'horreur. Et je sais qu'il y a énormément de jeux, d'expériences horrifiques sur le VR. Et il y a des choses excellentes. Par exemple, tu as l'exorciste, tu as plein de choses, mais exclu VR, toi, tu peux pas y jouer à manette en main. Donc, oui, pour ça, ça pourrait m'intéresser, moi, perso. Mais, par ça, voilà. Mais ça, Voodoo. Est-ce que c'est pas justement ce genre de jeu, mais genre sur 1 heure, 2 heures, et après tu as terminé ton expérience, un petit peu comme un film. Et finalement, une expérience future. Ouais, carrément, mais ça me fait penser, tu sais, comme si une expérience futuroscope un peu, entre guillemets. Tu vois, comme si je vois ce que c'est, voilà, tu vas te faire une attraction en gros, comme tu dis, voilà, une expérience. Mais exactement, c'est ça. Et je pense que les jeux d'horreur marchent bien sur le VR parce que c'est totalement cet esprit-là. Alors, j'ai mis dans le chat un sondage, le PSVR 2 à 199 euros vous intéresserait.
Pour l'instant, il y a une quinzaine de votes et on est à 70% non. Donc, il y a... C'était pas il y a longtemps, je te parle des podcasts de Gameblog quand ils en faisaient encore, où Julien Chiez justement prédisait l'avenir du jeu vidéo avec la VR qui allait remplacer le jeu vidéo plus traditionnel, quoi. Donc c'est rigolo de voir que des années, genre 10 ans plus tard, quoi, ça n'a pas vraiment pris le truc, quoi. Bah, au final, ouais, on se trompe un peu dans ce qu'on avait prévu il y a quelques semaines, mois encore, parce qu'on sort un PSVR 2, bon, et c'est peut-être le prix qui fait aussi un obstacle, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu intéressant, hormis peut-être Resident Evil 8 pour le PSVR 2 qui serait intéressant, comme le 7 a été. Alix, mais qui a été exclusif PC, il me semble. Ah oui, donc il passe pendant un temps. D'accord. Ah, il est sur PS5, Alix. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est sorti sur d'autres supports. Je suis pas sûr, je suis pas sûr de mon coup, mais il me semble. Rien. Parce que c'est un de ces jeux justement qui m'intéressait quand j'ai vu que c'était sur PC. Alors, à moins ça que devait depuis, arriver, ça peut-être. Soit sorti. Ouais. Mais ouais. Il y a des Star Wars. Il paraît que. Les jeux Star Wars, ouais, des expériences intéressantes, quoi, le Vader Immortal, tout ça, quoi. Ouais. Mais bon, c'est pareil, beaucoup de développement des jeux est extraordinaire, quoi. Pareil que ça coûte très cher à développer des jeux. Ah oui? Ah oui. Pour la VR. En plus, on parle bien du VR 2, donc on va dire la hype, le côté découverte, etc., du VR. Console est passé avec le VR 2, c'est passé, quoi. Alors, plus ça, plus que c'est cher et plus qu'il n'y a pas énormément de jeux. Ouais, c'est logique que ça fonctionne moins. Et oui, le Virtual Boy, c'était la première. Bon, ouais, ça fait un bide. Hein. Ça fait un bide, donc on aurait peut-être dû se fier un peu au truc déjà. Bon, les gars, on va parler, parce que là, je vois qu'il y en a pas mal qui se sont dit « Oh, j'ai reçu l'alerte pour parler des jeux vidéo qui nous ont marqué. » Et on va en parler. Je voulais qu'on réagisse à cette news. C'est sympa. On peut faire ça tous les soirs, réagir pendant 10 minutes à une news qui peut être sympa. Ah ben ouais, carrément. C'est cool, je trouve. Allez, on va parler des jeux qui nous ou qui vous ont marqué durant votre vie de gamer. Alors, on m'a demandé en préparant l'émission si c'était des jeux actuels, récents, rétro. Alors, ça englobe tout. Est-ce que c'est des jeux qui ont été marquants pour la critique, pour les joueurs en eux-mêmes? Enfin, vraiment, là, c'est quartier libre. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. C'est des jeux qui vous ont marqué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qui veut commencer? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un jeu qui, dans leur vie, les a marqués? Allez, qui prend la parole? Moi, j'en ai eu plusieurs. Vas-y. Alors, moi, il y en a un qui a changé toute ma vie, mais qui a littéralement changé ma vie. Hein. Mais, alors, tu vois, je m'en suis aperçu à plus tard, mais parce que bon, quand vous avez 6, 7, 8 ans, vous en rendez pas compte. Moi, c'est Zelda. Hein. Alors, le lequel? Premier Zelda, le tout premier, hein, The Legend of Zelda. C'est sur NES? Ouais, sur NES. Ça a complètement changé ma vie. C'est pour ça que je joue aux jeux vidéo aujourd'hui, je pense. C'est grâce à ça et Mario Duck Hunt. Ouais. C'est vraiment les deux piliers fondateurs de ma vie de joueur et de ma vie, même pour Link. Parce que pour moi, Zelda, c'est plus que ça, c'est Link. C'est Link et Link, c'est. Même des fois, je m'interroge, qu'est-ce qu'il ferait à ma place à ce moment-là. J'idéalise Link, c'est mon héros. C'est vraiment un héros pour moi. C'est quelqu'un qui a changé ma vie complètement. C'est plus que juste un personnage de jeu vidéo pour moi. C'est une personne à qui je fais référence de temps en temps. Ses valeurs, son abnégation, le don de soi, la loyauté, le courage. Tu vois, j'aimerais être comme lui, j'aimerais lui ressembler. Alors, est-ce que quand tu as connu The Legend of Zelda, tu avais quel âge? Je dirais, je ne sais plus exactement parce que les souvenirs sont flous, même la date de sortie, on a. D'ailleurs, je vous conseille de dire. 86. Non, oui, au Japon, mais en Europe. En Europe, on ne sait pas exactement. Je vous conseille de lire le truc de Florent Gorge là-dessus, qui a retrouvé des choses. C'est super intéressant, qui a retrouvé la date de sortie. Je vous laisse découvrir. Ça a été tout un parcours du combattant pour retrouver la date de ce premier Zelda. Et ça doit être aux alentours de 88, donc j'ai 7 ans à peu près, 6, ouais, 7 ans. Alors, c'est un jeu qui quand même est assez difficile pour un enfant de 7 ans quand tu regardes bien. Ouais. Ah oui, complètement, mais j'étais absorbé, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé dessus, mais j'étais absorbé. Je me souviens encore, ça devait être Araps ou quelque chose comme ça, un dictionnaire français-anglais. Pour traduire, il y a très peu de dialogue dans le jeu, mais pour traduire mot à mot, on cherchait dans ce dictionnaire. Voilà.
On cherchait les mots, tu vois, parce que voilà. Mais c'est toute une époque. Ça ramène aussi à une autre époque aussi. Donc mais ouais, moi, il m'a vraiment. Et puis le jeu en lui-même, l'aventure, ouais, je sais pas, c'était tout. Tout se combinait parfaitement. Et puis c'était la claque à l'époque, hein, quand même. C'est un jeu assez incroyable pour l'époque. Hein. Alors, est-ce que Zelda vous a tous marqué ou il y en a qui sont passés totalement à côté? C'est marrant, dans un autre sens, oui, tu vois. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, ben, t'as le droit. Vas-y, hein. Vas-y. John, vas-y, réponds. Ouais, le premier Zelda, pardon, qui m'a marqué, en fait, c'est l'Ocarina of Time, mais pas dans le bon sens, en fait. C'est un pote, bon, on était au lycée, et la 64 était là depuis assez longtemps, quand même. Et le gars, il me prête donc cette cartouche d'Ocarina of Time. Et moi, Zelda, je connaissais le nom comme ça, mais ça me mottait pas, tu vois. Moi, c'était Sonic, tu vois, c'était des jeux de plateforme un peu rapides, là, le côté un petit peu RPG, machin, ça me plaisait pas. Et j'ai commencé Ocarina of Time sur 64 et j'ai pas accroché direct, tu vois. Ça m'a beaucoup rebuté, beaucoup de textes, beaucoup de. Le côté aventure et tout qui m'a vraiment rebuté. Et je l'ai redécouvert avec Twilight Princess, donc bien après. Sur Wii, bizarrement, pas sur GameCube, mais sur Wii. Et là, il m'a scotché de fou. Il m'a scotché de fou, ce jeu, tellement que je me suis fait tous les autres après, les Wind Waker. Je me suis refait Ocarina of Time sur GameCube. Du coup. Et là, j'ai vraiment, vraiment accroché. Je l'ai fait à fond. J'ai adoré, en fait, j'ai changé ma veste. Une première expérience très rebutante. Pour finir avec, là, je suis gros fan de la licence, mais comme toi, quoi. Mais ça avait très mal commencé pour au final. Alors, t'es au Canada, je crois, non ? Oui. C'est ça ? Ah oui, mais oui, parce que c'était à l'époque, donc collège-lycée, c'est France. Ouais. Donc, Non, parce que tu dis, j'ai changé ma veste. Au Canada, donc c'est changé ma veste. Ici, c'est on retourne sa veste. On a retourné sa veste. Non. Concernant Karina, ouais, en tout cas. Qui reste un jeu de légende. Ouais, non, c'était vraiment extraordinaire. Ah, Ocarina. J'allais dire justement que tout à l'heure que Ocarina moi aussi m'a marqué. Bon, dans le bon sens, par contre, c'est celui-là vraiment qui m'a marqué et c'est mon préféré. D'ailleurs, d'ailleurs, le Zelda d'époque, oui, c'est vrai qu'il était dur, mais quand tu penses, les trois quarts des jeux étaient durs. Hein. Enfin, nous, quand t'es petit, le mode difficile, c'était le mode normal, on va dire, tu vois. Une anecdote vraiment, vraiment débile. Hein. Mais en fait, j'étais bloqué à Ocarina la première fois que j'avais lancé. C'est vrai que j'étais ultra frustré. Il y a une cinématique au moment où t'as Ganondorf, tout le monde la connaît, hein, c'est pas un spoil. Ganondorf qui kidnappe la princesse, qui sort du château fort, là, et la princesse balarde l'Ocarina dans les douves, quoi. C'est ça, le truc. Toi, t'as juste à plonger dans la douve et récupérer l'Ocarina. Je sais pas pourquoi, j'ai dû cligner les yeux ou regarder ailleurs, mais j'ai pas vu qu'elle avait balancé l'Ocarina dans la douve. Du coup, j'ai bataillé, j'ai retourné le jeu dans tous les sens. Et j'étais bloqué, je me disais, qu'est-ce que... Et bon, à l'époque, pas Internet, tout ça, et j'ai mis grave de temps à savoir qu'il fallait juste aller dans la douve. Je me disais, merde, quel con. Enfin, bon, ouais. Ça a un peu apporté au fait que j'ai pas trop apprécié la première expérience. Alors, Kizban, est-ce que toi, Zelda, ça te botte un coin ou pas du tout? Alors moi, il y en a un seul qui m'a intéressé, ce Link to the Past. J'y ai beaucoup joué, mais je ne l'ai pas terminé. J'ai dû faire grosso modo une grosse moitié. Quand je me suis rendu compte qu'arrivé à la moitié, il en restait au moins autant que ce que j'avais déjà fait, je me suis dit que ça allait être compliqué. Ouais. J'ai adoré le faire, en tout cas. Tout ce que j'ai fait, j'ai vraiment adoré. Mais tout ce qui a suivi, alors ce qui précède, pour moi, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Et tout ce qui est arrivé après m'intéressait beaucoup moins. Et j'ai failli m'y remettre avec ceux qui sont sortis sur Wii. Mais sinon, ça ne m'attire pas, je n'y arrive pas. Mais A Link to the Past, vraiment, vraiment, j'ai adoré à l'époque. Et c'est mon seul lien affectif avec Zelda, c'est A Link to the Past. T'as A Link to the Past, d'ailleurs, j'ai fait un top 100 sur ma chaîne il n'y a pas tellement longtemps. Et je l'ai mis en numéro 1, moi. Oh, tu vois, mais je dirais que... Alors, il m'a marqué différemment parce que je suis déjà un peu plus grand. Je réalise mieux ce qu'est un jeu vidéo déjà à ce moment-là. On est un petit peu plus vieux, tu vois. Tu commences vraiment à jouer. Mais a posteriori, je pense que Zelda 1 m'a plus marqué. C'est vraiment ça qui m'a mis le pied. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant plus que... Mais je préfère Link to the Past parce que c'est un meilleur jeu. Je pense que c'est un jeu parfait. Je pense qu'il n'a aucun défaut. Ça, c'est mon avis très personnel. Mais que ce soit le musique, le scénario, le gameplay, pour moi, tout est brillant, tout est génial. Ouais. Je l'ai fait une vingtaine de fois, ce jeu, sans problème, et je le refasse avec plaisir. Mais ouais, pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps, je pense.
Tout le monde serait d'accord de dire que A Link to the Past serait dans le top 5 des meilleurs jeux jamais sortis, jamais créés. Ouais, je suis d'accord. Alors, je pense pas. Moi non. Alors, c'est mon préféré et je pense pas. C'est bien. Alors, on a Kizban qui va dire non. Alors, pourquoi Kizban? Comment? T'es pas d'accord, toi? Bah, non, mais moi, on dit dans l'absolu ou personnellement? Bah, personnellement. Bah oui. Ah, bah, personnellement, non, aucune chance. Moi, j'ai une sensibilité arcade, déjà. Donc, dans le top 5, il va y avoir au moins une bonne moitié de jeux d'arcade. Et puis, sinon, moi, j'ai une sensibilité jeu de gestion, jeu de réflexion, tout ce qui est SimCity, etc. Je te remplis ras la gueule le top 10 de jeux d'arcade et de jeux de gestion. Donc, alors, voilà. J'entends ce que tu dis, mais si tu devais reconnaître au niveau du gameplay, au niveau des graphismes, au niveau de l'ambiance et tout, si tu devais un peu reconnaître tout ça, le mettre dans un top, tu le mettras en quelle position dans le top 10, dans le top 20, top 50 des meilleurs jeux? Oui, il serait dans un top 20. Je pense qu'il serait dans un top 20. Ok, alors, qui d'autre veut réagir sur Zelda? Il y a des choses à rajouter. Tu parlais de comment, personnellement ou objectivement, tu vois? Parce que moi, pareil. Vous voulez, les gars. On est là pour discuter. Justement, parce que A Link to the Past, tu vois, moi, j'ai pareil, je l'ai commencé, je n'ai jamais fini, j'aimerais beaucoup le finir un jour. Et je reconnais que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc, objectivement, c'est vrai, quoi. Niveau gameplay, niveau histoire, niveau musique, tout, c'est un jeu parfait, quoi, quasiment parfait. Enfin, il n'y a aucun défaut dans ce jeu-là. Genre. Mais, personnellement, je ne le mettrais pas dans un top 10 ou 20 parce qu'il ne m'a pas marqué plus que ça, vu que je ne l'ai pas connu à l'époque. Mais je reconnais que ça reste un excellent, excellent jeu. Il n'y a rien à dire, quoi, vraiment. T'écoutes toutes les émissions, YouTube, podcast, machin, les gars qui, les making-of du jeu et tout, c'est un truc de fou, quoi. À l'époque, remettre ça à son époque, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait pendant un jeu comme ça à cette époque-là, c'est un truc de fou, quoi. Donc, ouais, je reconnais que c'est un jeu de malade. Mais personnellement, je ne le mettrais pas dans un top. Tu vois? Ouais. Mm-hmm. Alors, Zelda, le premier, du coup, quand tu l'as découvert, tu avais 7 ans, tout le monde a joué au premier? Tout le monde a joué au premier, tout premier ou? Viteuf, mais ça m'a pas plu. Ça, c'est ultra rebutant. Franchement, c'était. Après, ça dépend à quel moment. Je pense que ça fait partie de ces jeux où, si t'es pas là à l'époque, c'est dur. Je pense aussi. C'est dur. C'est comme les jeux de 64 aujourd'hui ou de PS1, les premiers jeux 3D. C'est quand même compliqué. Si t'as pas été là à ce moment-là, c'est dur de se rendre compte, par exemple, à MGS1, à quel point c'est un jeu incroyable pour l'époque. Tu le vois aujourd'hui, fais « oui, bon, c'est sympathique, quoi ». Mais tu vois, tu as un générique de film, nous, on voyait, on voit un film. C'est un film, ouais. Aujourd'hui, ça paraît tellement banal, tu te dis « oui, il n'a rien d'incroyable », tu vois. Quand tu compares à des productions d'aujourd'hui. Alors, c'est intéressant parce que j'avais une question qui venait, et puis ça fait un peu la transition, c'est est-ce qu'un jeu peut aujourd'hui, en 2024, s'il sort aujourd'hui ou ces 5 dernières années nous marquaient autant qu'un jeu à l'époque 90, 2000. Oui. Ouais, je pense. Ah, moi, ça m'est arrivé. Alors, est-ce que vous avez des exemples de jeux récents qui vous auraient marqué dans ces 5 dernières années? Ouais, carrément. Ouais. Alors. Ouais, tiens. Alors, c'est tout court, mais voilà. Je sais qu'il y a pas mal de papas dans le chat, parmi les invités, tout ça. Mais rien que le fait de passer du temps à jouer avec tes enfants, ça le rend marquant. Pas parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps et tout. Donc là, tu vois, j'ai ce petit Lego Star Wars là, qui est sorti il y a deux, trois ans. C'est un jeu Lego. Hein, donc il n'y a rien de fou. C'est la Skywalker Saga qui est sortie. Là. Et on l'a fait du début à la fin avec ma petite. Et ça a été des moments inoubliables. Quoi. Ça a été sa première entrée dans l'univers Star Wars. Elle a kiffé de fou. Moi, j'ai kiffé de fou. Les bugs qu'il y avait, ben, on passait outre et tout, tu vois, ça reste un jeu très moyen, objectivement parlant, mais pour notre affect, pour le temps qu'on a passé ensemble en famille, c'était magique, quoi. Donc ça, c'est un jeu marquant, quoi. Donc, tu vois, ça peut être marquant pour différentes raisons. Alors là, c'est vraiment marquant pour ton expérience de jeu, quoi, avec ta fille, en famille. Ce serait ça, voilà. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont été acclamés par la critique et, comme disait Kizban, lui, Zelda, bon, ça l'a pas trop branché et qui vous ont un peu. Mais tellement. Alors... Ah, mais on le dit ou pas là? Je vais être banni. Ah ouais, on le dit.
Voilà, mais The Last of Us, j'ai commencé. J'allais le dire. Pas du tout. Non, mais les gars, vous n'avez pas le droit là. Moi, toutes les productions Sony. Ah, carrément. Ah oui, moi, tout ce qui est triple A Sony, tout ce qui est solo narratif Sony, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah non, clairement, je ne suis pas client de ça. Je suis pas. Le premier Last of Us est quand même sympa. Le 2, je trouve qu'il passe complètement à côté de son sujet. Il ne va pas au bout. Il a trop peur. Il a peur de choquer. Il a peur de. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est complètement raté. Par contre, le premier, j'ai bien aimé. Même si je n'ai pas eu trop d'empathie, je trouve que la scène d'intro arrive trop tôt dans le jeu. Elle aurait été au milieu du jeu, elle aurait été bien plus impactante. Tu n'as pas le temps d'avoir de l'empathie pour Joël. À ce moment-là, tu t'en fous complètement. Voilà, c'est quelqu'un que tu connais pas, tu n'en as rien à foutre de ce qui lui arrive au début du jeu, dans la scène d'intro. Enfin voilà, on ne va pas refaire l'histoire, mais ouais. Les productions Sony, moi. C'est exactement ça. Pour l'intro de The Last of Us, en fait, encore une fois, podcast de Gameblog, et je crois que c'était, c'était Julo ou je ne sais plus qui c'est qui survendait la scène d'intro de The Last of Us. Hein. Mais qui a survendé de ouf. Meilleure intro de tous les temps, meilleure intro de jeux vidéo de tous les temps et tout. Et moi, j'étais au taquet, j'étais, putain, ça va être super et tout. Je lance le jeu. Alors, oui, elle est relativement marquante. D'autant que si justement t'as des gamins, ben oui, ça peut marquer. Mais tu vois, j'ai fait l'intro et j'étais ah d'accord, c'est ça la meilleure intro de tous les temps. Ultra déçu parce que j'avais peut-être une attente trop importante et le reste du jeu m'a complètement sorti. Ben c'est ça, c'est que quand tu vois des mecs dans les magazines te dire c'est un truc de fou, puis que toi t'as ton expérience qui te déçoit un peu, tu dis bon, ils en font un pataquès pour pas grand chose quoi. Moi j'avoue que j'ai versé ma petite larme malgré tout. Après, je venais d'être papa. En fait, c'est marrant parce que moi, j'avais une fille à ce moment-là de 7 ans et une autre de 5 ans. Et ça m'a absolument rien fait. J'avais pas d'empathie pour ce personnage. C'est l'intro du jeu. Tu vois, j'ai pas eu le temps de m'attacher à lui. Tu vois, je pense que ça serait arrivé au bout de 10 heures de jeu. Ouais, ça m'aurait fait quelque chose. Justement, moi, j'ai un peu l'effet inverse de toi. C'est que j'ai trouvé qu'en très peu de scènes, dès le début, en tout cas, moi personnellement, je suis arrivé à m'attacher à la fille, à la relation, à son père. Tu vois, on les voit pas longtemps. Elle lui offre la montre, etc. Tu vois, sur le canapé. Oui, bien sûr. Je sais pas, je les trouve direct super sympa et attachant. Et puis c'est pour ça que ça m'a touché. Bon, après, moi, je suis sensible et c'est pareil. J'ai versé ma larmichette direct. Hein. Mais c'est très bien. Hein. Après, je comprends ce que tu veux dire aussi. Alors c'est vrai que ça dure quoi, une demi-heure à tout casser la scène d'intro. Ouais. C'est vrai que t'as, comme disait c'est ça, Gamic, t'as pas le temps vraiment de t'attacher au personnage et ça peut être un point négatif, mais c'est vrai que moi je l'ai trouvé tellement bien joué cette scène. Ah ouais, la scène en elle-même est bonne, la scène en elle-même est bonne, c'est plus que au moment où elle est arrivée, moi ça m'a surtout que c'est l'intro du jeu, donc t'es un petit peu passif, t'es pas vraiment actif encore dans le jeu, il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de voilà, mais bon, c'est encore très perso, hein. Voilà, on peut critiquer là, tu vois, on n'a pas trop accroché à ce jeu là mais on reconnaît que ça reste un bijou. Ah, moi je suis pas d'accord avec vous les gars. Mais j'ai adoré le jeu, moi, sinon le premier je l'ai beaucoup aimé, hein. Ah ok, bon, je suis un peu tout seul sur ce coup. C'est le seul d'ailleurs des productions Sony, ouais, où j'ai vraiment, d'ailleurs c'était une claque graphique aussi, faut pas oublier ça. Oui, voilà, ouais. Graphiquement j'ai pris... là je suis en train de le faire, là le 2 je suis en train de le faire, je l'avais déjà commencé il y a quelques semaines, quelques mois même, et j'ai jamais terminé le deuxième épisode. Là du coup je l'ai relancé au début pour reprendre l'histoire, parce que sinon tu oublies des trucs, hein. Et là, j'ai pris une claque quand même graphiquement. Je me dis que la PS4, elle en a quand même dans le ventre, hein, à te sortir des graphismes aussi magnifiques. Et rien que ça, plus le jeu d'acteur qui est quand même pas mal. Alors, il y a quelques longueurs par moment, mais je veux dire, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même un sacré jeu. Mais tu reprends le premier, faut pas oublier que tout le monde était en chien, on l'attendait tous, hein. Même moi, qui n'étais pas spécialement, qui suis pas spécialement fan des productions Sony, j'avais des potes à moi qui attendaient comme des fous. Moi, j'attendais comme un dingue aussi. On voyait les trailers. On était, et puis en plus, on était en pleine période post-apo à ce moment-là où c'était un petit peu à la mode et tout. Donc, on était vraiment comme des fous. Hein. Ouais. Bah, en plus, il y avait beaucoup d'attentes parce que c'était Naughty Dog qui avait fait Uncharted. Ah oui. Et ils avaient beaucoup mis en avant ça. Voilà, les producteurs d'Uncharted, les créateurs d'Uncharted nous sortent une nouvelle licence. Donc forcément, tant était ouf. Ok, Kisban, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué? Après,
là, je dis un jeu, mais on va revenir, on va refaire le tour. Hein. On a Gamic qui nous a dit Zelda pour ceux qui viendraient d'arriver. On va en citer plusieurs ce soir, on a le temps. Alors, je voudrais faire la passerelle entre ce que tu as demandé juste avant et puis la réponse à ta question. Vas-y. Moi, je voudrais parler des city builders. Alors, je sais que je suis à des années-lumière de. Ah, mais moi, j'adore. Alors, je trouve qu'au niveau des city builders, il y a deux révolutions. La première révolution, pour moi, c'est SimCity 2000. Ah, SimCity 2000, c'est le moment où on commence à avoir des villes en 3D isométrique. Donc, ce n'est pas encore de la 3D, mais c'est isométrique. Donc, ça a de la gueule quand même. C'est pas, c'est, ça commence à ressembler à quelque chose dans lequel on a de moins en moins besoin d'imagination pour pouvoir s'imaginer là-dedans. Les transports ferroviaires, etc., c'est beaucoup plus développé. Moi, j'ai beaucoup joué au premier SimCity. J'y ai joué sur PC, j'y ai joué sur Amstrad, j'y ai joué sur d'autres supports. Le SimCity 2000, sa particularité, c'est que je crois qu'il est sorti sur quasiment tout ce qui existait à l'époque. Il est même sorti un petit peu plus tard sur Game Boy Advance. Donc, il est vraiment sorti sur tous les supports qui étaient possibles de faire dans les années 90. Je crois qu'il y a même une version Saturn. Ouais, vraiment, il a fait vraiment tout le tour de ce qui pouvait être fait dans les années 90, au début des années 90. Et vraiment, ça, c'est une révolution dans le, à l'époque où ça sort, parce que les jeux de les city builders à cette époque-là n'arrivent pas encore à faire ce que SimCity 2000 propose au moment de sa sortie. Et en fait, la seconde révolution, à mon sens, dans le monde des city builders, c'est City Skyline. Et là, ça rejoint un petit peu la question que tu posais. Est-ce qu'un jeu récent peut être marquant? Moi, ça a été une grosse claque dans la tronche quand City Skyline est sorti. Donc, je parle du premier parce que le deuxième, pour l'instant, je suis un peu sur ma réserve parce que pour l'instant, il a vraiment des critiques très négatives. Donc, je pense qu'il y a encore pas mal de patchs à apporter au jeu. Mais le premier City Skyline, celui qui est sorti, donc, je crois, en 2017 ou 2018, c'est une nouvelle claque dans la tronche parce que là, on se met à gérer de manière beaucoup plus précise, beaucoup, beaucoup plus de choses, notamment au niveau des transports en commun, il y a beaucoup plus de choses. Les métros, c'est d'une finesse, c'est d'un détail qu'on n'a jamais vu avant. Après SimCity 2000, il y a eu SimCity 3000 et il y a eu SimCity 4. SimCity 3000 et SimCity 4 étaient pas mal, mais ils ne renouvelaient pas le genre, ils apportaient juste quelques options supplémentaires, quelques détails graphiques, esthétiques supplémentaires. Et puis, il y a eu le SimCity, je crois tout court, qui est sorti chez Electronic Arts juste avant City Skyline, et celui-là a été une vraie catastrophe apparemment, tellement catastrophique que je n'ai même pas essayé de m'y mettre. Visiblement, il a vraiment eu un très très mauvais retour, et heureusement il y a City Skyline qui est arrivé tout de suite après. Donc, alors là on voit justement City Skylines, c'est le premier qu'on voit. Donc pour moi, si je résume, en fait, dans le milieu des city builders, il y a eu deux révolutions. Il y a eu SimCity 2000 au début des années 90 et il y a eu City Skyline vers 2017 ou 2018. Et pour moi, qui suis vraiment un énorme fan de ce type de jeu, bah, ça a été extrêmement marquant parce que je pense que si je regarde les statistiques, par exemple, de mon compte Steam, City Skyline est très, 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 très loin devant en nombre d'heures jouées. Il est addictif, ce jeu. Moi, je l'ai sur PS4. Je dois être à 200 ou 300 heures sur City Skyline, je crois. Et sur SimCity 2000, j'y ai passé énormément, mais vraiment énormément de temps à l'époque où j'étais dans ma phase PC. C'est sans doute le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. C'est vraiment une énorme référence pour son époque. Et l'avantage, c'est que, comme je disais, il est jouable sur console et je trouve que la maniabilité à la manette, elle est pas du tout handicap. C'est pas un handicap, du moins, parce que tu peux y jouer vraiment à la manette. Là, on voit que c'est une version PC là, de ce City Skyline, mais à la manette, ça se joue très bien. Je sais pas si tu as déjà joué. Ouais, d'accord, je l'ai pas essayé ce jour. Pardon, je ne l'ai pas essayé sur console, mais j'ai vu qu'effectivement, il avait eu de bonnes appréciations également sur console. Il est top. Moi, je suis tombé par hasard dessus. Hein. Je crois qu'il y avait une offre à l'époque sur le PS Store et il était quasiment donné, le jeu. Et je l'ai acheté en version physique.
Et l'avantage, c'est qu'il y a d'autres DLC qui permettent de rallonger la durée de vie du jeu, parce que tu peux aller dans la neige après, tu peux être. Enfin, mais je veux dire, même si tu as la version de base, tu t'amuses quand même. Oui, tu peux faire beaucoup de choses avec la version de base. Ce qu'ils ont fait également, qui est intéressant, mais pour l'instant, c'est que sur la version Steam, tu avais le workshop où énormément de monde se mettait à modéliser des transports en commun ou des immeubles de façon à coller à l'architecture de, par exemple, de Paris ou de Barcelone, très haussmannien. Tu avais les transports en commun à la sauce un peu plus scandinave, par exemple, où tu avais et en fait, ça, c'est les fans qui ont passé énormément de temps à modéliser des choses et l'ajouter au workshop. Et en fait, quand tu joues sur Steam, en tout cas, tu peux aller récupérer toutes ces informations, enfin toutes ces modélisations. Tu peux les ajouter et puis tu peux avoir des choses qui sont d'une, c'est quasiment photoréaliste parfois. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et par contre, pour ceux qui s'y intéresseraient aujourd'hui, je pense que le City Skyline 2, faut encore attendre parce que les évaluations qu'on voit sur Steam sont vraiment encore très mauvaises pour le 2. Je pense que le 2, je crois qu'il est sorti en novembre. Je pense que c'était pas prêt. Ils avaient peut-être une date butoir et c'était pas prêt. Ils l'ont quand même sorti et pour l'instant, c'est pas à la hauteur apparemment. C'est dans le Game Pass. Hein, pour. C'est dans le Game Pass sur. Il me semble. Je crois que c'est le. Il y en a au moins un des deux qui est dans le Game Pass, mais je pense qu'il y en a dans le chat qui pourront confirmer. Mais il y en a un des deux qui est dans le Game Pass. S'il est dans les Game Pass et que vous aimez bien un peu les jeux de gestion de ville, je trouve qu'il est quand même assez accessible. Moi qui suis vraiment amateur, hein, je ne suis pas au niveau de Kizban à avoir connu les SimCity 2000, etc. J'ai joué à Rise of Nations, un truc comme ça qu'à l'époque, je ne sais pas si tu connais. Oui, j'ai connu. Ah, il est top, celui-là il est top. Et là, il y a justement City Skyline que j'ai trouvé très très bon. Tu peux gérer ta politique, ta ville avec les déchets, l'électricité, tout ça. Tu fais un peu ce que tu veux. Et franchement, c'est top. Les jeux de gestion, ça vous parle, les mecs, ou pour vous, c'est. Yes. Ouais, moi j'ai adoré les SimCity 2000, comme il dit. J'ai adoré. Et après, c'est devenu. C'est devenu trop en fait pour moi. Moi j'aime bien multiplier les expériences, tout ça, et j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à gérer. Ça m'a fait pareil sur les Football Manager quand j'ai repris des années plus tard. C'est devenu trop complet pour moi, donc trop chronophage. Et moi j'aime bien varier les expériences. J'ai l'impression que c'est des jeux où il faut quand même s'investir énormément, jouer au moins 150-200 heures. C'est ça, c'est un jeu qui peut te marquer. Hein. Et moi j'aime trop changer de jeu, changer d'expérience, multiplier les. Voilà. Mais déjà, quand t'as le Game Pass, déjà t'as du mal à rester sur un jeu parce que t'as tellement de jeux que tu navigues entre tous les jeux. Alors si tu dois te lancer dans un jeu de 150 heures sur le Game Pass, bon courage. T'es tenté de lancer d'autres jeux. Toi tu disais, John, que t'étais pas friand des jeux. Je retiens, bah là c'est passé dans le chat plutôt, là c'est Theme Hospital. Est-ce que tu mets ça dans le City Builder, Theme Hospital? C'est un jeu de gestion. C'est de la gestion, oui. Parce que j'avais demandé les jeux de God aussi, les God. Le God, attention, quel God Non. Ah, ça va pas recommencer. Non, comme Black and White, je crois, les choses comme ça, est-ce qu'il aime bien qu'il se batte j'en veux aussi. Black and White, j'ai quasiment pas fait, mais dans les jeux, les jeux un peu comme ça, normalement, on met aussi les Populous. Ah, Populous, j'avais adoré. Ça, Populous, je les ai fait. J'ai fait les trois premiers. D'ailleurs, je pense qu'il n'y en a eu que trois. Et vraiment, j'ai adoré. Le troisième est même vachement bien parce qu'il est en 3D. Et c'est vachement bien. C'est de la gestion d'espace où on essaye de faire grandir une tribu dans le 3. Mais dans le premier, c'est beaucoup plus simple que ça. Il faut simplement arriver à ce que les humains. L'humanité. Enfin, que les humains soient de plus en plus nombreux. Et parviennent de mieux en mieux à. Oui. Et les civilisations, par opposition aussi, ouais. La civilisation, ça là, c'est le truc où j'ai un petit peu plus de mal. La dimension, c'est du tour par tour déjà, donc je trouve ça un peu lent. J'ai un petit peu du mal à. Moi, j'aime pas le design. J'aime pas le design déjà. Ah.
Moi, j'ai pas trop de soucis. D'ailleurs, j'avais essayé Colonisation à l'époque. C'était, je crois, plus ou moins après Civilisation. En fait, j'ai un problème avec le tour par tour qui m'ennuie très vite. Et y a énormément de blabla. C'est vraiment bourré de blabla. Et je suis sûr que c'est des jeux de qualité parce que j'ai un pote qui jouait à chaque fois que je venais chez lui. Il était au milieu d'une partie qui durait 150. Enfin bref, ça faisait plus de 24 heures qu'il était dessus. Il était obsessionnel avec ça. Et je comprenais complètement parce que je sentais d'où venait la passion pour ça. Mais ce côté tour par tour me flinguait, quoi. J'avais pas envie. Ça me décourageait, quoi. Ouais. Pour toi, Vaudou, les jeux de gestion? Gestion, alors ça, oui, mais plutôt gestion de parc d'attractions. Tu vois, moi j'ai adoré les roller coasters, Tycoon, par exemple, à l'époque. Même Zoo Tycoon. Alors là, il y en a encore plein qui ressortent, donc c'est cool. J'en ai fait quelques-uns sur PS5. Mais après, j'étais plus du jeu de stratégie à une époque. Pour t'en citer qui m'ont marqué, par exemple, StarCraft ou Warcraft, Age of Empires, Command & Conquer, bien sûr. T'as aimé StarCraft 2 ? Génial. StarCraft 2, il est exceptionnel. J'y ai pas joué beaucoup, mais ouais, il est cool. J'ai malheureusement pas joué beaucoup. Il n'est pas jamais sorti. C'est pas le jeu qui n'est jamais sorti, StarCraft 2. Bah, c'est sorti en plusieurs. En fait, j'ai voulu troller, mais je crois que ça se trouve, il est vraiment. Non, mais c'est sorti en plus. Ouais, vas-y, Kesban. Il a mis très très longtemps. Ça a été, je sais plus comment on dit l'expression, mais en fait, il a mis vraiment très longtemps à sortir, mais il a fini par sortir. Il y a même eu de l'e-sport. Il y a même eu de l'e-sport sur StarCraft. Ah oui, ça y est, ça me revient. C'est la référence en termes d'e-sport quand tu veux faire du STR, c'est StarCraft aujourd'hui. C'est vrai. Et il est sorti en trois packs différents, là, suivant les factions, c'est ça? Ouais, je crois bien, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais les RTS, on est quand même sur autre chose que les City Builders. C'est un autre genre, quand même. J'ai hésité parce que moi, sinon, j'aurais pu citer Dune 2, Dune 2000, Dune, tous ces trucs-là. Sur lesquels j'ai passé également énormément de temps. Et là, j'aurais pu citer plus récemment. C'est des Warhammer. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je crois, Frostpunk, qui a été pour moi une énorme claque également. Alors, Frostpunk, c'est une claque récente parce que je crois que j'ai joué en 2020. Et j'ai adoré. Et c'est des dilemmes politiques et moraux qui font froid dans le dos et qui te chamboulent vraiment. Et j'ai adoré ça, le côté en gros, on est en Angleterre, il fait moins 70 degrés, enfin il fait moins 20 degrés, mais plus tu avances dans la partie, plus tu te rapproches des moins 70, moins 80 degrés, et il faut trouver une solution pour que ton village parvienne à continuer de vivre et que tous tes habitants ne meurent pas de froid, quoi, finalement, et c'est affreux. Il y a des choix à faire, c'est affreux. C'est affreux, vaut mieux être prévenu au départ, c'est vraiment affreux. Mais en fait, c'est un vrai jeu de. Alors là, je me suis un petit peu éloigné du STR, on n'est plus du tout sur du STR, mais on n'est pas non plus tout à fait sur du City Builder, parce qu'il y a vraiment des difficultés qui sont de l'ordre de à qui on donne la priorité, est-ce qu'on abandonne les vieux pour favoriser les jeunes. Il y a plein de questions de ce type-là qui sont vraiment super intéressantes, mais il faut être préparé. Ok, on va donner la parole à Voodoo pour son jeu préféré, enfin un jeu qui l'a marqué, un des jeux qui l'a marqué. Bah écoute, on n'a qu'à prendre celui qui m'a marqué le plus, hein, carrément. La licence, on va dire le 1 et le 2, mais je choisis le 2. Silent Hill 2, bien sûr. Un classique, mais là qui est en plein dans l'actualité parce qu'il y a le remake qui va sortir. Oui, en plus. Exactement. Donc, le 1 m'a déjà marqué parce qu'il faisait flipper. Alors, c'était pas une claque graphique sur PS1, le premier, alors que le 2, lui, il était très, très, très beau pour l'époque. Et puis, au niveau de son scénario, de l'ambiance, du survival horror pur. Voilà, je vois pas de défaut à ce jeu. Il est super marquant, surtout quand on connaît toute l'histoire, la fin, etc. Voilà, le scénario est excellent. Donc c'est différent de Resident Evil, qui là, on est plus dans du jeu un peu plus action, peut-être moins psychologique, hein, même carrément en termes d'histoire. Alors
que Silent Hill, c'est un peu le contraire. On n'est pas avec des policiers ou des guerriers ou quoi que ce soit. C'est des gens lambda qui sont dans une ville et qui a un côté très psychologique sur les personnages. Voilà, moi j'adore cette licence. Alors, ce Silent Hill, est-ce que tu attends le remake ou... Ouais, je l'attends quand même. Ah oui, bah c'est Day One, c'est sûr, qui est réalisé en plus par la Bloober Team. Moi, j'ai adoré leur travail sur The Medium. Alors, je sais qu'il a été mitigé au niveau des avis, ce jeu. Ils ont fait, tu sais, Blair Witch sur PS4 de l'EFPS. Qui n'était pas si mal que ça. Hein. Moi, je l'ai fait récemment, il n'était pas si mal, Blair Witch. Il y a une ambiance. Ah oui, il était bien, Blair Witch, ouais. Franchement, bonne ambiance. Comme tu dis, voilà, en termes d'ambiance pure, ils sont très forts, la Bloober Team. Et donc, c'est pour ça que j'attends quand même le remake. Voilà, les premières images, on voit une animation assez étrange du perso, mais voilà, on va attendre de jouer au jeu. Hein, c'est pas encore sorti, on a le temps. Voilà, ça, c'est le 2 original hein, sur ouais. PS2. Alors, tu dis le 2. Ouais, vas-y, je peux poser une question à Voodoo. C'était juste, je voulais lui demander, on en parlait tout à l'heure, tu vois, des vieux jeux qui sont difficiles aujourd'hui. Tu vois, un jeune de 20 ans qui découvrirait le Silent Hill aujourd'hui, le premier, ouais. Hein, je parle. C'est hard, non, quand même, aujourd'hui à jouer, pour découvrir la licence vraiment d'origine. Ouais. C'est pas évident. En plus, c'est disons que le gameplay est un petit peu vieilli, je dois l'avouer, ça me fait mal de dire ça. Mais voilà, c'est un peu rigide. Oui, c'est peut-être pas évident. Voilà, ça, comme tu dis, pour un jeune, il faut vraiment qu'il soit dans cette ambiance horreur psychologique. C'est ça qui est plus mis en avant. Après, niveau gameplay, niveau difficulté, ouais, il y a quelques énigmes qui peuvent rebuter. Il n'est pas si dur, après, je trouve. Mais bon, non, mais je parlais plutôt au niveau du brouillard. Tu vois, nous, à l'époque, on voyait un brouillard. Ah, d'accord. Aujourd'hui, ouais. Ils verraient plutôt un truc de merde. Eux, ils diraient, ouais, c'est de la merde. Ouais, ça va. Bah, si on le fait sur PS2, parce que voilà, si tu fais la version sur PS3 qui a été remasterisée, entre guillemets, ils ont fait un travail dégueulasse. Alors que si tu le fais sur PS2 original, là, il y a vraiment le filtre d'origine, parce que les développeurs ont prévu un filtre spécial, avec un peu granuleux, etc. Et là, ça passe nickel encore, même avec le brouillard, comme tu dis. En fait, oui, justement, sur la version HD qui inclut Silent Hill 2 et 3, qui est dispo sur Xbox 360 et PS3, c'est vrai qu'il n'y a pas le brouillard et ouais. Ça a causé un peu un drama hein, pour les fans. Disons que, ouais, c'est ça, il y a une espèce de brouillard, mais disons qu'ils ont enlevé des filtres et donc ça rend un dégueulasse, on croit plus un mur, voilà. Au lieu que tu aies du brouillard un peu diffus, ça fait plus comme un mur en fait, et donc ça fait très chelou sur la version HD. Et alors voilà, précision importante aussi, c'est que vous pouvez faire le 2 directement si par exemple vous dites « Ah ouais, mais il faut que je fasse le 1 avant pour l'histoire ou quoi ?» Non, chaque Silent Hill, sauf exception, chaque Silent Hill a une histoire différente, complètement différente, avec des personnages différents. Donc, c'est pas lié. Donc le 2. Tu peux faire n'importe quel Silent Hill. Il n'y a que le 1 et le 3 qui sont liés. Le 3 est la suite du 1. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que j'avoue que à l'époque, j'avais fait la démo de Silent Hill qui était vendue dans le magazine PlayStation officiel. J'avais fait juste la démo. Et le 2, j'ai acheté la version PS3, la remaster. Donc, il faut que je me lance dans le 2. Et j'avoue que je ne l'ai jamais terminé le jeu. J'ai fait que. Ouais, faut vraiment que je le fasse. Donc, c'est un jeu que je vais découvrir cette année. Et je vais. Comme j'ai pas la PS5, je vais me consacrer à la version PS2 remasterisée. Alors, c'est vrai qu'il n'y aura pas le brouillard, mais c'est pas grave. Moi, justement, je me demandais, pour finir sur Silent Hill, j'ai la version PS3 aussi, la compile que tu as aussi, RNG. Et j'ai toujours entendu dire voilà, que c'était des portages un peu nazes. C'est juste à cause du brouillard ou c'est quoi qui non, non, c'est pas naze. On peut pas dire que ce soit naze. Non. Donc c'est des mauvais portages. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que Alan Wake, c'est un peu le fils spirituel de vous de Silent Hill? Le premier. Alors, ouais, il y a quelques similitudes, mais c'est quand même fils assez différent dans le sens. Quoi. Ouais, bah après, tu as un côté psychologique qui est mis en avant, mais on est moins dans le choquant, dans le malsain, on va dire. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus fantastique Stephen King-esque, je vais appeler ça comme ça, le Alan Wake, alors que c'est vrai que Silent Hill, c'est vraiment ambiance très malsaine, tu vois des trucs dégueux vraiment partout. Bon, c'est oppressant, dans le dégueulasse. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, tu dis Silent Hill, mais t'es plus team Silent Hill ou Resident Evil? Du coup, tu dis Silent Hill parce que tu m'as dit...
Perso, oui, mais j'adore les deux. Mais perso, oui, parce que moi, j'adore les histoires psychologiques, que ça soit au cinéma, c'est pareil, tu vois. Genre, Sixième Sens, je vais le préférer à un film bourrin de zombies. Mais donc voilà, c'est un affect très personnel. Mais après, les Resident Evil sont énormes. Hein. Bah, d'ailleurs, voilà, j'avais préparé le premier aussi, tiens, qui a vachement marqué à son époque. Hein, mais ah, même oui. Si, il y en a beaucoup qui ont marqué des Resident Evil. Mais... celui-là, mais voilà, celui-là, excellent aussi. Celui-là, il m'a fait flipper à l'époque. Hein. J'avoue. Ouais, carrément. Et tu vois, il y avait aussi le code Veronica que j'avais préparé, parce que je trouve que c'était aussi un jeu assez marquant, au point qu'ils en ont ressorti après des versions PS2, etc. Voilà, ouais, j'ai beaucoup aimé les Parasite Eve dans le genre. Ah, c'est vrai que c'est un genre qui a été quand même... bon, Silent Hill, c'est une vue un peu de à la troisième personne, mais Parasite Eve, Dino Crisis, Resident Evil, c'est un peu la même mécanique de jeu. T'as un inventaire à gérer, tu vois, c'est... Ouais, Silent Hill, c'est assez unique de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui le différencie de Resident Evil, du coup? Oh, vas-y, Kamik. Bah, Voodoo, c'est quand même son jeu. Il faut qu'il nous dise pourquoi ça l'a marqué. Moi, je le trouve assez unique par rapport aux autres. Je le trouve moins action, déjà. Ouais, bah c'est ça. C'est, bah, comme je disais, le côté l'action est moins mise en avant. Tu vois, tu vas pas avoir des mitrailleuses. Dans Resident Evil, au bout d'une heure, même pas au bout d'une demi-heure, tu as un fusil à pompe ou une mitrailleuse. Alors que dans Silent Hill, bah là, voilà, c'est plus des armes de corps à corps. Il y a moins d'action. En général, il y en a qui ont été orientés plus d'action. Et il y a un côté vraiment psychologique au niveau des personnages. C'est ça qui est important. L'histoire, surtout, qu'est-ce qui est arrivé à ton perso? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est dans cette ville? Pourquoi il est aussi tourmenté? Tu vois? Est-ce que tu as fait les épisodes les plus récents, là? Homecoming et c'est quoi? Rainpour ou something? Sur PS4? Ouais, c'est ça. Downpour. Exact. Ils sont sympas, ça? Ouais. Alors, je les ai bien aimés, je sais qu'ils ont été critiqués. Homecoming, justement, donc c'est le 5. Il est plus orienté action. Après, c'était logique avec l'histoire, parce que cette fois-ci, on a un ancien militaire en tant que perso principal. Donc, ça peut être logique qu'il y ait un peu plus d'action. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien foutu, mais il était moins marquant, j'avoue. Par contre, le Downpour, très sympa aussi. Il est revenu un peu avec un peu moins d'action dans une ville ouverte, etc. Voilà, ça reste pas les plus marquants, mais ils sont bons. Enfin, ils sont pratiquement tous bons, hein. Et c'est pas pour faire le fanboy. Il y en a un qui est vraiment très mauvais, c'est celui sur PS Vita. Shadow of Book of Memories, un truc comme ça. Shadow of Memory. Même pas ça, c'est le comics, ouais. C'est l'espèce de comics sur PSP. Est-ce que c'est le même qui a sur Wii? Ah ouais. Oui, Book of Memory, c'est ça. Sur PS Vita. C'est pas sur PS Vita. Sur PS Vita. Ouais, voilà. Ah non, Shatter of Memories, il était pas mal. Hein. Mmh. Sur Wii, tu as fait une émission sur les films de jeux vidéo. Faut que tu nous parles du film Silent Hill, alors. Ouais. Alors, est-ce qu'il est fidèle? On peut faire un peu l'analogie là rapidement. Est-ce que le film Silent Hill, moi je l'ai pas vu, est-ce qu'il est fidèle à l'ambiance du jeu vidéo? Ouais, carrément. Christophe Gans, en plus, c'est le réalisateur, il est fan de jeux vidéo. Il est fan de Soul Calibur aussi et de plein d'autres jeux. Tu verras pourquoi je te dis ça. Et ouais, il est fidèle à l'ambiance. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il a réussi à retranscrire vraiment l'ambiance et l'esprit du jeu vidéo, mais tout en changeant le personnage principal, qui n'est pas du tout dans les jeux vidéo, tu vois. Mais il a fait un mélange, on va dire, avec le 1 et le 2, plus Silent Hill 1 plutôt. Ouais, franchement, il a tout compris et comme je t'ai dit, il est fan aussi de Soul Calibur. Pourquoi? Parce que Christophe Gans, il a aussi réalisé le pacte des loups. Exactement. Et à la fin, tu as Vincent Cassel qui te sort une arme carrément de Soul Calibur, donc une espèce de, comment dire, une épée qui se transforme en espèce de fouet avec des os, enfin des parties un peu dures sur tout le long du fouet. Il a repris ça directement, exactement. De Soul Calibur, en fait. Mm-hmm. Voilà, c'était la petite aparté. Par contre, le 2 est pas top. Hein. Il y a un Silent Hill 2 en film qui est beaucoup, beaucoup moins réussi. Pas réalisé par Christophe Gans et qui est pas c'est top, ça. Quoi. Ça. Ah non, pas terrible. Et par contre, et Silent Hill reviendra au cinéma, c'est pas cette année, là, avec Christophe Gans, justement, Christophe Gans, pardon, à la réal.
je crois. Exactement, il va adapter Silent Hill 2, donc le jeu vidéo, en film. Donc, retour de Silent Hill. Ils vont surfer sur la vague. Bah oui, c'est totalement ça. Juste avant de passer à l'ami John Sparrow pour son jeu culte qui l'a marqué, on va faire une petite parenthèse avec Kizban. On se retrouve après-demain pour une émission sur le PC avec l'ami Apocalypse. Il en peut plus, ça, il est content. Là, on va parler du PC. Là, c'est bien. Non, mais alors, moi, j'étais pas un grand joueur de PC. J'ai joué un petit peu, mais j'avoue que le PC, je jouais à la manette quand je jouais. C'était des jeux. On a beaucoup de big box à montrer, donc on aura de quoi. Ah, ça va être intéressant. Ouais. On aura du matos à montrer également. Bon, bah je suis content qu'on puisse aborder ça sur la chaîne. C'est vrai que le PC fait également partie des jeux vidéo, faut pas l'oublier. Mm-hmm. Et c'est après-demain à 21h30, les amis. On est reparti là pour des vidéos sur la chaîne. J'avais pris un peu de temps pour moi, ça m'a fait du bien. Et là, je suis content de vous retrouver. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous régulièrement. Et on va demander à John Sparrow quels sont ces jeux qui. Pour rebondir sur le PC, justement, c'est rigolo parce que moi, j'ai eu un passé de PCiste et il y a un jeu qui m'a marqué parce que c'est le jeu qui m'a fait partir du PC pour retourner sur la console. C'était un jeu que j'ai plus, vu que moi, toutes les big box que j'avais à l'époque, elles sont toutes parties, quoi. On les a revendues pour acheter les nouveaux jeux. Mais en fait, c'était un Noël, j'avais demandé le Star Wars épisode 1 Racer sur PC. Oui. Attends, je vais te mettre en grand. Attends, bouge pas. Oui, après, c'est rien de. Faut qu'on voit. Alors, voilà, bon, ça c'est le portage. Alors ça, à la base, c'est un jeu PC, on est d'accord. C'est un jeu PC 64 et Dreamcast à la base. D'accord. Donc, voilà. Alors, moi, je l'avais commandé au Papa Noël sur PC parce qu'à l'époque, j'étais sur PC. Moi, je t'aurais dit Sonic 1 comme jeu marquant parce que c'est comme pour GameX, c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le jeu vidéo. C'est Sonic 1 sur Mega Drive, mm-hmm. Sonic 2, Sonic Knuckles, enfin toute la saga Sonic sur Mega Drive. Et après Mega Drive, c'est un peu l'entourage qu'on avait à l'école, c'est très PC. Où, évidemment, tu suis un petit peu les copains et du coup, je suis allé sur le PC. Toi, de ton côté, à l'école, ils étaient PC. Ouais, il y avait beaucoup de PC. Enfin, mes meilleurs potes, c'était deux gros joueurs PC. Ouais. Enfin, joueurs PC. Moi, les mecs qui jouaient au PC, c'était des gros geeks. Hein. C'était vraiment les geeks. Hein. Ouais. Nous, on avait tous des consoles. Des consoles, mais je te dis, les copains les plus proches, on va dire, les meilleurs potes, c'était surtout un qui avait un gros PC et qui jouait quasiment sur PC et qui m'a fait découvrir le PC et tout ça. Et donc, ce fameux jeu que j'avais commandé à Noël qui arrivait, donc sous le sapin et tout, la Big Box Star Wars Racer, j'étais super content. Je te le mets le CD dans la machine. Et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait pimp up ton PC pour suivre. C'est ça, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec. À l'époque, mes parents avaient acheté, c'était en 2003, mes parents avaient acheté un PC. Je sais plus la marque, Compaq. Compaq, il l'avait payé 900 et des brouettes euros. Donc, avec l'inflation, ça, on va dire, ça fait 1200 balles, quoi. Donc, c'était un bon PC pour l'époque. Sauf que, il faisait tourner des jeux type PES4. Il faisait tourner des jeux PS2 de l'époque, tu vois. Xbox de l'époque. Et je découvre GTA Vice City. En version PC. Donc, je suis content, j'y joue, je découvre le jeu et San Andreas sort. Donc, je me dis, c'est bon, je vais l'acheter, c'est GTA, quoi. Et au moment où je le mets, mon PC, il fallait que je change des composants pour pouvoir y jouer parce que le jeu était trop gourmand en ressources. Et en fait, ça m'a un peu dégoûté parce que je me suis dit qu'à l'époque, le fait d'avoir une PS2 ou une Xbox, tu n'avais pas besoin forcément de changer de console pour pouvoir jouer au même jeu GTA 4, GTA Vice City et GTA San Andreas, que là, un PC, c'est un peu le côté négatif. Donc, il faut constamment améliorer un PC. À l'époque, c'était des barrettes, si je me rappelle bien, c'était des barrettes qu'il fallait rajouter. Barrettes de RAM, Soit tu avais un problème de mémoire vive, il fallait rajouter de la RAM. Soit tu avais un problème de carte vidéo et il fallait changer de carte vidéo. Et c'est vrai que lorsque tu te mets au PC, ça dépend de l'approche que tu as eue au départ. Mais moi, par exemple, j'avais que des potes PCistes également, à fond PC. Et j'en avais un qui m'avait appris à monter mon PC moi-même. Donc du coup, je n'achetais pas une marque. On achetait le PC pièce par pièce. Mmh. Et on devait être en troisième ou en quatrième. Et il m'apprenait à monter mon PC pièce par pièce.
Ce qui fait que si à un moment donné, mon ordinateur était trop dépassé, je savais que je n'avais qu'une pièce à changer pour pouvoir le mettre à niveau. Et il m'avait appris aussi à bien faire mon choix au départ pour ne pas partir sur du trop bas de gamme pour pouvoir plus facilement ensuite le mettre à niveau pour moins cher plus tard. Ah, t'as été bien encadré, ouais. Ça c'est cool ça. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai que c'est super décourageant et je te rejoins c'est super frustrant quand tu vois que sur console tu as les jeux qui sortent. Et par rapport à Star Wars Racer, moi qui collectionne les big box, bah celle-là elle commence à être un petit peu compliquée. Non, je l'ai pas. Elle est complète. Ah, t'avais cru que t'allais me la montrer là. Tu l'aimes la montrer, ça m'a rappelé des souvenirs. Oh, mais t'as la 64. Oh là là là. Super. Voilà, j'ai la version 64, c'était beaucoup plus abordable il y a quelques temps. La PC Big Box, elle commence un peu à côté, on doit être sur du 60 ou 70€. Et à l'époque, je me suis dit, tiens, je vais me prendre la version N64, elle était à 10 balles, je crois, à l'époque. Donc, et c'est vraiment, moi j'ai adoré, hein, vraiment Star Wars Racer. Alors, ma question pour John Sparrow, est-ce que la version que tu nous as fait voir sur Switch est identique mais lycée en HD, voilà. Est-ce qu'elle a été remakée entre guillemets? Ah non, c'est un portage. C'est un simple portage HD. Ouais, avec le graphisme d'époque, donc ça risque de piquer un petit peu pour ceux qui ne sont pas très rétro gaming, mais ça reste encore très jouable. Niveau gameplay, il n'y a pas de souci, c'est très jouable. Graphiquement, il n'y a pas de souci. Il y a quelques bugs aussi. Je sais qu'il y a une course où je me suis crashé et je ne suis jamais retourné sur la course, en fait. Ça continue, il y a l'image qui était fixe et que j'ai dû reboot la console pour. Donc il y a quelques bugs. C'est Aspyr qui a fait tous ces portages Star Wars sur Switch et les consoles récentes. Mais moi j'avais joué sur 64 avec cette version que nous a présenté Kizban. Donc ouais, ça m'avait passé en fait du PC à la console et à la 64. Et ça marchait sur 64. Autre question pour ce jeu. Est-ce que ce jeu est disponible dans l'abonnement du Nintendo Online, là, tu sais, dans la version des jeux. Ah non, je pense pas. Non. La version 64, tu veux dire, dans le Nintendo eShop, je crois pas qu'il soit. Je pense pas. Je pense qu'il n'y a aucun Star Wars. Même le Shadow of the Empire, qui était l'exclusivité 64 à l'époque, le tout premier, je crois pas qu'il y a aucun Star Wars dans le Nintendo Game Shop. Mais par contre, grosse déception, tu peux pas jouer en ligne et tu peux jouer en multi K2. Sur la Switch, alors que c'était à 4 sur 64, si je me rappelle bien, Kizban. Oui, je crois bien. Le truc, c'est que ça a été une énorme claque parce que à l'époque, ma première LAN à domicile, je l'ai faite sur. J'avais Star Wars Racer qui était dessus. Et nous, on avait joué, je crois, on avait 5 ordinateurs branchés ensemble. Donc je pense que sur PC, ça devait même peut-être monter à 8. Ah, d'accord, un truc de fou. Là. Mais oui, alors attends, parce que j'avais sur 64. Je pense qu'on jouait à 4 avec la famille et tout, c'était pas mal à 4. Ouais. Mais ici qu'à 2, donc c'était un peu une downgrade. Mais c'est sympa, ça reste sympa quand même à jouer. Mais ah c'est non, pas ça qui. Ils disent 2 joueurs simultanés là, pour la Nintendo 64. Écoute, tu vois, comme quoi les souvenirs. Et il me semble que quand j'avais fait ma LAN à domicile avec les potes, on avait tous amené notre PC, on arrivait à jouer à 5 en même temps sur Star Wars Racer. Et franchement, putain, c'était génial, quoi. Ça fait partie de mes très gros souvenirs également de. Là, on est plutôt sur de l'arcade, donc en fait, c'était mon truc déjà à l'époque. Ah oui, c'est complètement ça. C'est du F-Zero-like, c'est du Wipeout-like. C'est et puis la bande d'arcade est hyper bien également. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? J'ai jamais vu. Moi. J'ai jamais eu l'occasion. Ah oui, je l'ai déjà vue. Elle était à Disneyland à une époque. Ah, excellent. Elle était à Disneyland. Donc, quand on sortait du. J'ai commencé à faire mes recherches. T'es en mute. Je dis, ça me fait penser à quelque chose qui se bat. Oui, voilà, non, mais je suis à fond dans mes recherches, hein, je suis au courant de. j'ai un petit truc à monter. J'ai des recherches à faire à ce sujet. Mais bref, à l'époque, quand on sortait de Star Wars Tour ou Star Wars, je ne sais plus le nom de l'attraction. Star Tour. Quand on sortait de Star Tour, en fait, on arrivait sur un entrepôt, et dans cet entrepôt, on arrivait sur une salle d'arcade. Et cette salle d'arcade avait. Star Wars Racer, soit en version mono, soit en duo. Donc, je sais plus le terme, c'est deluxe et je sais plus quel terme on utilise pour. Et en fait, tu te retrouvais avec potentiellement la possibilité de pouvoir faire les courses à 8 sur bande d'arcade parce qu'elles étaient toutes reliées ensemble. Trop bien. Trop bien. Ouais. Ça donne envie.
Ben, c'était sympa cette petite, ce petit teaser qui se bat. J'ai hâte. Ah, j'avais une question là qui est venue à l'esprit. Est-ce qu'il y a des jeux totalement pourris qui vous ont marqué dans le bon sens du terme? Ouais. Totalement pourrables. Attends, vas-y. On... Ils avaient préparé les mecs. Vous préparez plus ces émissions que moi, ça fait plaisir. Alors, moi qui viens de l'Amstrad, si tu veux, il y en a un paquet. Hein. Alors, on va refaire. On va redonner la... Attends, on va refaire le tour du côté de. Ah oui, il nous a teasé. Bon. On va aller voir Gamik. Est-ce qu'il y a un jeu pourrave? Des jeux pourraves qui m'ont marqué, non, pas spécialement. Non. Honnêtement, non, je pense pas. S'ils sont pourraves, je les balance. Enfin, je le finis pas, je passe à autre chose. Après, ça peut arriver, tu sais que tu attends un jeu, par exemple une licence que tu adores, et tu te rends compte que le jeu est pourri. Alors, ça m'est arrivé sur ma machine sur PS4, par exemple. Mais bon, tu vois, ce genre de choses. Non, moi, après, un jeu, c'est pas pourri, mais Tekken 3, mais parce il que aime c'est bien, pas... Il aime bien mettre... Non, mais il est super bien, Tekken 3, mais je veux dire, c'est pas un grand jeu au sens du terme, tu vois, on n'est pas sur un grand jeu type les Zelda, type Last of Us, type... mais ça reste un jeu de baston, et ça m'a marqué parce que c'est les soirées avec les potes. Quand t'en as deux qui sont sur le canapé, t'enjambes le fil pour aller te servir un verre de whisky, t'enjambes le fil de la manette, ce que les jeunes ne connaîtront jamais, entre bien. La table basse et le canapé. Voilà, c'est plus ces soirées-là où je prends le vainqueur. Ah ouais, mais moi je veux être à gauche, je veux pas être à droite, donc tu me files la manette une, je veux pas la manette deux. Tu vois, c'est ce genre de truc, c'est ouais, des parties de Tekken où on est 4, 5, 6 à jouer avant de sortir en soirée. Voilà, et c'est des grands moments, ouais, ça m'a marqué pour ça, ouais, plus. Mais c'est pas des grands jeux, mais on pourrait faire pareil avec un FIFA, avec un Top Spin, avec... C'est des très bons jeux, mais c'est pas des grands jeux, quoi. Je réponds juste à Kevin Arsenic, là. On a dit jeu pourri, pas jeu culte. Ah ouais. C'est un jeu pourri pour lui. Non, mais il troll pas, mais il est sérieux, mais non, il n'a pas le droit de dire ça, quand même. Je l'ai vu troller sur le prix des 500 balles, ouais. Ouais, je l'ai affiché exprès. Je sais, à quoi il fait référence. Je sais. On a eu Géoseg, oui, c'est ça. Qui disait ouais, c'est Geoffrey. Jo, pardon. Il s'appelle comme moi. C'est marrant. C'est Geoffrey. Ouais. Ouais. Ah, il s'appelle Geoffrey. Ouais. Ouais, Ultimate Paddle 22. Ouais. Et ben, en alors. Fait... j'ai bien aimé, moi. Je sais. Alors, ah oui, je sais pas si vous y avez joué, c'est vrai qu'il est pourri. Enfin, il est considéré en tout cas comme pourrave. Moi, j'ai kiffé. Ah, c'est pas le plus pourri. Ah, c'est pas... Non, c'est pas le plus pourri. Bah, Final Boat était aussi. C'est le plus pourri, ouais. Celui-là. On est d'accord. Mais moi, j'ai un souvenir avec mon cousin. On se faisait des tournois de dingue. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'on kiffe. Et il y avait quand même pas mal de persos. Il y avait 27 persos en tout avec le code, tu sais, dans le bouquin. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a marqué. Mais sinon, c'est vrai qu'il est pas... vraiment pas terrible. Il est pourri, ouais. Il est pourri quand même, mais en fait, il faut remettre dans le contexte, les gars. Il faut remettre dans le contexte de la sortie de ces jeux Dragon Ball Z sur PlayStation. C'est-à-dire qu'on sortait de la Super Nintendo avec des Super Butoden 2 et 3, et à l'époque, c'était la référence. On était en plein Club Dorothée, et on passe à la 3D, donc on attend le prochain Dragon Ball, et tu vois ça. C'est en 3D, ça y est, t'es content, quoi. Tu te rends pas compte que c'est une merde. Je pense qu'on s'est rendu compte que c'était une merde un peu après. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, mais... Ouais. Le pire, c'est finalement... C'est avec le recul, tu dis, putain, mais c'était vraiment de la merde, en vrai. Ouais. Non, mais je pense ouais, que mais ça. On était contents, ouais. Parce qu'il y avait nos personnages, alors... Ah, c'est ça. Quand c'était de la 3D, t'avais la... Mais c'était horrible, c'était dégueulasse. Faut dire. Il persiste et il signe, Kevin. Bon, tant pis. Je vais te bannir de mon Discord. T'es pas beau. Alors, on a du coup. T'as dit Tekken 3, toi. Ouais, mais bon, je le considère pas comme un jeu pourri, donc c'est compliqué. Mais c'est plus dans le sens où c'est pas, tu vois, c'est pas des souvenirs sur des grands jeux type Chrono Trigger ou d'autres jeux que je pourrais te citer. Tu vois, où j'ai des super souvenirs, Shadow of the Colossus. Tu vois, là, on est sur un autre level de jeu, tu vois. Là, c'est plus du... En fait, nous, on le consommait comme un party game, tu vois. Tu vois, comme les jeunes aujourd'hui jouent à Fortnite, nous, on jouait à Tekken 3, tu vois. C'est un peu ça avec Street Fighter 2, même à l'époque Street ouais, Fighter 2. Ouais, même Street Fighter 2. Ouais, ça, mais bon, je parle d'une époque où c'était plus un prétexte à boire, tu vois.
Ça, on l'a fait avec Double Dash aussi, on l'a fait avec... voilà. Alors, c'est de quelle année, rappelle-moi, Gamic ? De quoi ? 81. 81, donc tu as 6 ans de plus que moi. Donc, ouais, mais peut-être pas les jeux de PS1. Ouais, là, on parle de... Non, oh, Tekken 3, si. Tekken 3, c'est vieux, attends. C'est pas si... Si, je devais avoir 16-17 ans, ouais. Moi, je trouve. À 97, ouais, c'est ça. Donc, j'avais 16-17 ans, voire 18 ans quand on y jouait. Parce qu'à l'époque, un jeu, on y jouait pendant 4 ou 5 ans. On n'y jouait pas 3 mois comme maintenant, et puis on passait à autre chose. Pour rebondir sur Tekken 3, c'est marrant, parce qu'à côté, il y avait Soul Edge qui sortait à la même époque, quasiment. Quoi. Soul Edge, donc le proto Soul Calibur. Et avoir eu les deux à côté, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde se tapait la nouille sur Tekken 3, alors que Soul Edge était vachement plus sympa. Et parce que tout le monde avait une PS1. Ouais, mais Soul Edge était sur PS1 aussi. Ouais. Alors Soul Edge, de mémoire, c'est celui qui avait le boîtier un peu avec les trucs noirs autour, là. C'est le proto Soul Calibur, donc c'est le combat de Namco avec les armes blanches. Quoi. Exactement. On est d'accord. Moi, j'avais un pote qui avait la Dreamcast, c'était bien meilleur Soul Calibur. Mais ouais. C'était le seul qui avait la Dreamcast dans l'entourage. Non, mais là, je parle justement de Soul Edge qui était sur PS1 aussi. Ah, il était sur PS1. Ouais, qui était sur PS1 comme Soul, Tekken 3. Et Tekken 3, je trouvais ultra lent. C'est super lent, quoi. Franchement, ça se ramène. Et Soul Edge à côté était vachement plus péchu. Enfin, je sais pas. Je suis pas spécialiste non plus. On va donner la même question à l'ami Voodoo, qui va nous dire un jeu pourrave qui l'a marqué dans le monde. Oui. Ah, oui. Ah. Bon. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde quand il jouait. En plus, bah, désolé, on retourne sur Dragon Ball. C'est bien, ça va être dans l'actu. Dragon Ball. Alors, en fait, si vous n'avez pas joué, essayez. Il n'y a qu'une musique dans le jeu, c'est pour ça qu'il m'a marqué. Ah, non, alors, horrible, il est assez pourrave. Ils ont essayé de faire un espèce de Zelda qui n'a rien à voir, hein, mais je veux dire, au niveau de la vue et du combat, on va dire. Et il n'y a qu'une musique dans le jeu qui passe en boucle. Je vous assure, jouez-y une demi-heure, vous l'avez en tête. Je n'ai pas compris ce jeu, pourquoi on perd nos points de vie à mesure, quoi. Si tu ne bouges pas, tu meurs. Oui, c'est vrai. Si je ne comprends pas ce jeu. Ah non, mais bah, bon, j'ai une difficulté, on va dire. Parce que le jeu est très très court, sinon, je pense. À mon avis, c'est ça. Non, mais ce jeu-là, il est juste horrible. Très très lourd. C'est JDG qui a fait une vidéo dessus. Il a fait une vidéo dessus, et d'ailleurs, je crois que dans sa version américaine, il ne s'appelle même pas Dragon Ball, il s'appelle Dragon... Dragon Hero, un truc comme ça. Non, Dragon Force. Dragon Force, voilà, un truc comme ça, ouais. Je crois, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, moi, j'ai découvert ce jeu-là en version américaine, donc le titre n'était pas Dragon Ball, et j'en ai déduit que c'était Sengoku. Quand j'ai vu Bulma et tout arriver, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Complètement perdu. J'ai vu que tu tapais des espèces de bonhommes bizarres qui n'avaient rien à voir avec le manga. Dragon Power. C'est Dragon Power, ton ex-gen. Dragon Power, ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'était horrible. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, du coup, dans ce jeu-là ? Tu disais les musiques. Mais hormis les musiques, il y a bien des choses qui t'ont... Bah, la musique, parce qu'il n'y en a qu'une qui passe en boucle. Non, 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 non. Ah ouais, c'est vrai. Ça. Et ça passait en boucle. Ah oui, oui. Ah ouais, grave. Alors, ce jeu-là, mais du coup, tu as joué forcément un paquet d'heures étant gosse. Alors, je l'ai découvert plus tard parce que vu que je suis fan de Dragon Ball, bah, j'ai essayé de me rattraper. J'y ai pas joué à l'époque, mais j'ai joué un petit peu plus tard. Mais après, des Dragon Ball, des jeux Dragon Ball, il y en a d'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Il y en a un qui était pourri sur Xbox, c'est Dragon Ball. Comment il est quoi, oui, Saga, je crois. Coupable. Dragon Ball Saga. Ah, il est pas sorti. Tu l'as fait consciemment, donc. Ah oui, donc toi, t'es vraiment coupable. Consciemment. Ouais. Saga. Non, mais. Saga, il n'est pas sorti sur Xbox, il me semble. Il est sorti sur PS2 sur et sur GameCube. PS2 et. Version nord-américaine aussi. Ah, nord-américaine, pardon, ouais. Et Jap. Mais pas européenne. C'était pas bon non plus. Mais ouais, après, si on parle de jeux pourris aussi. Alors, désolé, Star Wars, hein, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de bons jeux et il y a eu beaucoup de jeux pourris. Et j'ai des mauvais souvenirs sur certains, notamment le Obi-Wan, donc j'y avais joué sur Xbox. Et un que j'aime bien et qui est pourtant pas terrible, c'est La Menace Fantôme, tu sais, l'adaptation de La Menace Fantôme sur PS1. Complètement. Ah, ça, c'est un de mes jeux que j'ai eu pour mon anniversaire, ça devait être mes 12 ans. Aïe. Mais non, mais ça fait plaisir coupable, moi. Alors, à savoir que non, mais je ne suis pas du tout fan de la saga Star Wars.
Et ma mère ne savait pas quoi m'offrir et elle est partie au magasin de jeux vidéo. Elle a dit, voilà, je voudrais offrir ça à mon fils de 12 ans pour son anniversaire. Et elle est revenue avec ce jeu-là, pensant me faire plaisir. Bon, j'ai eu un nouveau jeu PlayStation, j'étais content. L'histoire était sympa, le jeu était sympa. Bon, voilà. J'ai des bons souvenirs de ce jeu-là. Mais je ne peux pas dire si c'est un bon jeu ou pas, quand je le refasse. Bah, il est assez mauvais, mais... Là, il est mauvais, bon. C'est le fameux jeu où tu as la course de pod qui n'est pas dans le jeu, justement, qui tu as la caméra qui reste sur les spectateurs. Oui, regarde la course de pod. Ouais, je vais faire une course de pod. Allez, c'est mais en fait, t'attends et puis tu regardes le truc. Tu regardes, il n'y a rien, quoi. Ah, et c'est après, pas le jeu où tu peux tuer Jar Jar Binks aussi, je crois. Tu pouvais buter Jar Jar Binks. Bah, tu peux buter tout le monde dans la ville aussi, ouais, à un moment. Ah, oui. Quand tu es à Tatooine, sur Tatooine, ouais. Ça n'a pas de sens. Alors, il y a un jeu, est-ce que vous aimez le foot en jeu vidéo ou pas du tout? Du foot fun. Ah ouais, moi j'ai de bons souvenirs. Arcade. Ouais, ouais. Alors, tout le monde aime plus ou moins le foot. Tout le monde a déjà joué à des jeux de foot. Je vais vous en donner un. Vous allez me dire si vous connaissez. Si je vous dis le jeu The Mission. The Mission. Ah oui, sur PS1. Ouais. Avec Edgar Davids. Avec des stars de Nike qui faisaient une pub à la base. Une pub avec des ninjas laser. Ça passait à la pub et ils en ont fait un jeu. Ça vous parle ou pas? Je me rappelle la pub, mais pas du jeu. Ah ouais, d'accord. Ouais. The Mission. Si je me souviens bien, c'était un genre de jeu d'aventure mixé avec, du coup, tu faisais des trucs avec ton ballon. Un peu à la chaque fois. Ah, alors, je vais vous le faire voir, les gars. Moi, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors, c'était un jeu. C'est vrai que c'était l'époque où les pubs arrivaient carrément à te faire sortir un jeu. Ça, c'est quand même incroyable. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et je vais vous le diffuser. Bah, ils te vendaient tes produits. Tu avais même des jeux M&M, tu avais plein de trucs. Cool spot. Tu avais un jeu Pepsi à l'époque. Il y avait des jeux, oui, effectivement. Mais là, tu vois le jeu The Mission qui était avec des stars. Hein. Il me semble que tu avais Dietmar Hamann, l'allemand. Il y avait Edgar Davids, le hollandais. Il n'y avait pas Zidane, hein, mais il y avait toutes les stars qui étaient dans la pub. Ouais, il y avait c'est quoi, Rinaldo. Il y avait Rivaldo. 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 Allez, je vous le fais voir tout de suite. Fichier vidéo, il est là. Hop. The Mission. T'avais bien aimé, toi, du coup, RNG? Ah, bah, j'avais adoré la pub et j'ai eu le jeu. Mais je t'avoue qu'à 12 ans, tu te rends pas compte que c'est d'abord. Ouais, ouais. Allez. Non, complètement. On est parti pour The Mission, les amis. C'est parti. Un let's play. Pour le let's play total. Achetez-le maintenant. Ça va ça augmenter de cote. Ah, bah là, oui. Ah, je ne sais pas. Ah, bah c'est pas vrai. Déjà qu'on voit du Croïde, même à l'époque, il commence à faire de la merde. Il me semble que la scène d'intro, ça va être forcément un bout de la pub. Hein. On va peut-être voir. Ah, c'était stylé, c'était pas. Fait gaffe. Ah, bah il savait vendre. Ah, ouais, complètement. Ouais, là, j'ai plus de souvenirs d'Adidas Power Soccer, par exemple. Oh là. Ah oui, ils ont fait la pub, mais en 3D. Bon, c'était à l'époque où ils faisaient tout en 3D. Ils ont fait de la CGI. Les souvenirs qui reviennent. Bon, c'était, de mémoire, c'était des ninjas. Voilà, ouais, des ninjas. Et tu avais les stars du foot qui devaient... voilà, avec Edgar Davids. Il a passé lunettes. Ouais, c'est vrai. Lilian Thuram. Thuram, la star. De en Croatie. Luis Figo, effectivement. Ah, Figo, ouais. C'est à bonne époque. Ah oui, mais il y avait les moyens. Non. Guardiola. Oh, Guardiola. Okay. Il dit quelque chose. Ouais. Bah, c'est Pep Guardiola, l'entraîneur du Barça. Ah, et Dietmar Hamann, voilà, ça m'avait marqué. Fabio Cannavaro. Oh putain, il y avait quand même des sacrés joueurs. Ah oui, c'était des stars pour l'époque. Ouais. C'était vraiment les meilleurs joueurs. Je ne connais pas celui-là. Andy Cole, l'anglais. Ah, il y avait un sacré casting. Kanu, le Nigérian, qui joue à Arsenal. Ah oui, tu connais un petit peu le foot, quand même. Ah ouais, je connais. Bon, allez, je vais mettre un peu de gameplay. Jeu d'aventure, du coup. Intéressant. T'as des tacs et tout. C'est un beat bémol. Alors, c'était plus ou moins un beat bémol avec des... Tu devais désactiver des alarmes, un peu à la Mission Impossible, mais version foot, quoi. Ah, oh, trop bien. Et ça en fait, ils avaient fait une espèce de chaque fou, quoi. Bah, c'était un peu ça, voilà. Il y avait eu aussi sur Super NES le jeu avec Jordan qui Windy City. Ah oui, oui. Ah, Chaos in the Windy City. Voilà, ça pense à toi. Je l'avais aussi celui-là. Ouais, il était cool. Il y a des ballons comme ça, un petit peu de différence. Donc voilà, c'est un jeu pourri à l'époque. Quand je l'ai eu, j'étais trop content parce que
t'incarnais tes stars du foot et tu pouvais faire des jongles et déglinguer des mecs. C'est sympa. Bon, voilà. Ouais. Voilà pour mon jeu. Pour... Alors, on a eu... qui a répondu là? On a eu Gamik, Voodoo aussi. Ça va être à Kisban. Un bon jeu pourri, Kisban. T'en as un? Un bon jeu pourri, allez. Ah oui, oh, oh, la vache. Oh, oui. Attends, on va le faire voir. Oh, le salaud. Ah non, ça, t'as pas le droit. Alors, c'est le 2, il avait bien aimé le 1. J'ai trouvé la Big Box en vide-grenier il y a seulement un mois ou deux, et je me souviens qu'à l'époque, j'y avais joué. Et en fait, franchement, ça pique, mais je m'amusais dessus quand j'étais... quand, je crois que j'étais étudiant à l'époque. Et en fait, c'est extrêmement simpliste. C'est moche, c'est moche pour l'époque, c'était déjà moche, mais c'était arcade, c'était assez simple, et finalement c'était une course de voiture, donc je me souviens que j'avais quand même pris un peu de plaisir là-dessus. Ça se passe dans Paris et dans Marseille, donc on revit des scènes du film. En fait, à l'époque, je connaissais pas encore Paris, mais une fois qu'on connaît Paris, on se rend compte qu'ils se sont totalement arrangés avec l'enchaînement des quartiers, parce que rien ne va, rien n'est logique. On passe d'un extrême à l'autre de Paris, en l'espace d'une seule rue, en l'espace de 10 secondes, tu dis, bah, moi à l'époque je connaissais pas, mais une fois que j'ai visité Paris, j'ai fait, ouais, non, c'est complètement impossible, c'est n'importe quoi. Bon, ça c'est un détail à la limite, mais par rapport à la réalisation du jeu, c'est tout juste comme il faut pour prendre un petit peu de plaisir, mais fondamentalement c'est pourri. Et, alors, j'affiche la vidéo du jeu. Rendez-vous avec Petra, on est parti. On va retrouver Petra, hein. Bah, ouais, Petra, et plus, forcément. Tu as un peu. Normalement, le film était sympa quand même. Donc, il y a un petit peu de nostalgie par rapport au fait que le film était un peu concon, mais ça n'allait pas chercher bien loin. Mais franchement, moi, j'avais passé. Je crois que j'ai vu que les deux premiers. Je me suis arrêté aux deux. Après, je suis pas allé voir le 3 ou le 4. Bon, après, c'est pas si dégueu que ça, en vrai. Alors, ça, c'est Paris. Ouais, ça. Ouais, mais alors, c'est super buggé, normalement. Il me semble que c'était hyper buggé. Mais c'est vrai que là, de ce que je vois, je me dis, bah ouais, je comprends pourquoi j'aimais bien, mais en tout cas, ça a des très mauvaises notes. Et... Oh là là, je sais plus pourquoi. Non, mais peut-être que... Oh, la bagnole. Trop bien. Ça, ah, vu intérieur, attends, vue intérieure, c'est génial. Ouais. Bah, ouais, la vue intérieure, ouais. Ouais. Ça t'as va. Pas besoin non, de VR, là. J'en ai gardé un souvenir plutôt correct, mais là, je ne savais pas trop quoi prendre. Et quand j'ai vérifié les notes de ce jeu, j'ai fait « Ah oui, mais ça devait être une bonne daube. » Parce qu'il a, 7 sur 20, en général. Il y a Voodoo qui dit « T'as pas besoin de VR, mais avec le VR, t'as envie de gerber, mais même sans VR, en regardant ça, t'as envie de gerber aussi. » Ouais, ils étaient précurseurs sur le gerbage sur console. C'est ça. Oh, ouf. C'est ça. Oh, ouais. Oh putain, la tête de Samy Nasri. Ah ouais. Excellent. Alors, genre, il se retourne, alors tu t'es bien amusé. Hein. Un appel de Lily sur ton portable, elle te prie de ne pas être en retard pour le déjeuner chez ses parents, attention. Ah, il y a danger. Tu peux revivre la première scène du film où tu descends un col de montagne pour emmener. Ah, il est là. Voilà, ouais. Et je crois que t'emmènes ta femme. À l'hôpital, je crois. Ouais, pour accoucher. Dans la voiture, non ? C'était ça. Elle veut pas accoucher. Oui, voilà. Et il y a Stallone dans la voiture, non ? Ah, j'ai plus la ref, mais je sais pas si. C'est la scène d'intro du dos, ouais, c'est ça. Ouais. J'espère qu'ils ont pas fait Stallone en 3D, quoi. C'est tout ce que je souhaite. Hein. Petit caméo de Stallone. Ouais, dans le 2. Non, mais bon. Alors, t'as passé du temps sur ce jeu ou pas, Kisban ? Bah, j'y ai joué un petit peu à l'époque, vers 2000, je crois, non ? C'est 2000 à peu près. Et moi, j'y ai passé un peu de temps, j'ai un souvenir plutôt correct du jeu, et c'est là, en cherchant un petit peu qu'est-ce que ça valait, je me suis rendu compte que ça prenait des notes pas possibles. Mais moi, objectivement, à l'époque où j'y jouais, bah, je me disais que c'était vraiment, pas vraiment sympa, mais que c'était acceptable. Mais à l'époque, tu sais, c'était l'époque où on se refilait les disquettes entre potes, on copiait les disquettes, on n'achetait pas le jeu, il y avait un affect qui était beaucoup moins fort, donc si tu veux, tu copies la disquette, tu joues en rentrant. Bah, c'est pas très grave si le jeu est pourri parce qu'il t'a rien coûté, t'as fait juste une copie. Mais je me mets à la place de la personne qui a acheté la Big Box à la Fnac, par exemple, et qui rentre avec le jeu qui a coûté, je sais pas, qui a dû coûter peut-être 30 ou 40 euros à l'époque. Je pense que tu peux un peu plus avoir un peu plus de mal à avaler le truc, quoi. On a Gérard qui nous parle de Driver, les gars. Est-ce que Driver, ça vous a tous marqué à l'époque de sa sortie en 99?
Ouais, pas mal quand même. Surtout le 2. Alors, moi, j'avais été déçu parce que je m'attendais à un GTA où on pouvait sortir de la bagnole et faire plein de choses à ce niveau-là, mais en fait, non. Ça, c'est pas... Mais l'ambiance était quand même excellente, l'ambiance course-poursuite dans les rues avec tu sais, les bagnoles qui avaient des suspensions de dingue. Mais ouais, c'était. Bah, il était exceptionnel, moi, ce jeu, quand il est sorti. Et tu te souviens? Pour moi, c'était. Vas-y, dis-moi. Alors, je crois que c'est dans le 2, par contre, je sais plus, où tu commençais dans un sous-sol et tu avais une épreuve de chiante Ah, à c'est dans le faire pour les premier. passer entre C'est les dans le premier. poteaux. C'est dans le premier? C'est le premier. Ah, Ouais. c'était casse-couille, ça. Bah, c'est l'épreuve d'intro, en fait, qui Ah oui, t'apprend à c'était. diriger. C'est le tuto. T'apprends à conduire. Et le tuto, il est juste horrible, en fait. Il te décourage. Si t'es, si Ah t'es, si ouais, t'as pas trop de skill, ça te décourage de jouer au jeu. Mais une fois passé ce tuto, carrément. c'est vrai qu'on a tous T'as ragé payé. avec ce tuto. Driver, ouais, c'était un super jeu, Driver. Ok, Oui. en comparaison avec Taxi 2 de Kizban, je pense que Driver a plus sa place dans le Hall of Fame Carrément. quand même. Alors pour toi, John Sparrow, est-ce qu'il y a des jeux pourraves au Canada, mais vraiment pourraves, Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, mais écoute, qui t'ont jamais marqué? sélectionné. Oui, bien sûr, ouais, complètement. Bah, tu me connais, moi, j'aime bien Sonic, tu vois. J'aime bien Sonic. Et il y a pas mal de jeux Sonic, on va l'avouer, hein, qui sont pas fifou fifou quoi. Je serais le premier à défendre les plus mauvais, tu vois. Mais il y en a certains, il faut quand même pas déconner. Comment? Là, dernièrement, il y a le Forces. Je vais pas le montrer parce qu'il n'en vaut même pas la peine. Le Forces qui est sorti sur Switch, PS4, tout ça. Il n'est pas, c'est pas une grosse merde, mais il est très 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 en deçà des attentes qu'on avait pu espérer avant, quoi, lors de l'annonce de ce jeu-là, le Forces. Moi, je vais plutôt parler de celui-là, évidemment. Le Sonic 2006 voilà, sur PlayStation 3, Xbox 3.6 et PC, j'imagine, j'en sais rien. Donc voilà. Ouais. Donc celui-là, si vous l'avez fait, vous vous en rappelez peut-être. Moi, je l'ai fait qu'une fois. J'ai fait le scénario de Sonic. J'ai commencé le scénario de Silver. J'ai commencé le scénario de Shadow. Et j'ai laissé tomber. J'ai pas pu finir à fond. Parce que c'est juste pas possible, quoi. C'est dommage parce que il faisait vraiment rêver, celui-là, au début, quand ils l'ont annoncé, les bandes annonces, tout ça. Moi, j'attendais avec impatience le Sonic. Voilà, t'as lancé la vidéo là. Le Sonic nouvelle génération, t'as vu, c'était un mini reboot. Il n'y a pas de sous-titres, il n'y a rien. C'était vraiment le renouveau de Sonic et tout. Et la grosse claque dans l'autre sens, parce que. Déjà, graphiquement, il était pas fifou pour la PS3, tu vois, c'était ouais, de la PS2++, quoi. Mais en fait, il était ultra mal optimisé, en fait. Tu avais des temps de chargement de malade. Tu avais un mini monde ouvert, tu vois, un mini hub à la Sonic Adventure. Et à chaque fois que tu sortais d'une zone, d'une rue, d'une connerie comme ça, c'était temps de chargement, temps de chargement, temps de chargement. Et des longs temps de chargement, tu vois, tu avais une bonne minute, voilà. Là, tu les vois sur la vidéo. Dès que tu sortais d'une zone, bam, tu avais cette minimap. Incompréhensible, la minimap en plus, t'as des points, tu comprends rien. Et voilà, t'avais ça constamment, 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 c'était ultra chiant. Et après, ben, niveau gameplay, pendant les phases un peu plus d'action, on va dire, quand tu joues les persos dans les niveaux d'action, eh ben, c'était pas fifou non plus, hein. C'était beaucoup, beaucoup de bugs de caméra. Les Sonic 3D ont toujours eu pas mal de bugs de caméra, mais je crois que celui-là, il a la palme de... Mais là, ça fait 3 minutes que j'ai mis la vidéo, il n'y a toujours pas de Ben gameplay. voilà, non mais les loadings sont impressionnants, quoi. Sont impressionnants. Voilà, et après, voilà, bon, après, c'est les débuts de la PS3. Tu vois, Ah ouais, non, mais. les PNJ sont affreux. Enfin, j'avais vu, Regarde, j'avais. tu te rebouffes un chargement là? Voilà, non, mais dès Ah ouais. que tu parlais à un PNJ, il t'envoyait en mission secondaire et tu retapais un chargement. En fait. Donc, c'était constamment ça, quoi. Ultra chiant. Donc, c'était un peu le pire Sonic. C'est dommage. Là, tu vois un remake de celui-là, mais optimisé, avec ben, pas de temps de chargement, des passages plus fluides, moins de problèmes de Oh. caméra. Non. Ah mais là, non Ça mais c'est pourrait être plus sérieux. sympa. Ah mais Donc c'est juste horrible. ah oui, il m'est tombé des mains, hein, celui-là. C'est le seul que j'ai pas fini à 100% des Sonic 3D, quoi. C'est un peu dommage. Et à côté, tu avais Sonic and the Secret Ring sur Wii, qui pareil avait été beaucoup décrié à sa sortie à cause de sa maniabilité pas très précise à la Wiimote. Mais franchement, redonner une chance, pardon, à Sonic sur Wii, qui est beaucoup plus maniable une fois que tu as bien pris en main le coup de la Wiimote, que celui-là qui est vraiment affreux, quoi. Enfin, Bon, Sega, si vous nous une grosse regardez, merde. faites quelque chose, parce que là, c'est juste horrible, ce jeu. Oh, ils sont Ouais, non. rattrapés, hein. Ils sont rattrapés avec pas mal Ouais. d'opus plus tard, mais c'est vraiment le pire, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les chats. Ah Je sais bah que les là, petits rien que les temps gamers. de chargement, là, ça me refroidit direct. Voilà, ouais, non, c'était impossible. Ça, Là, c'est mort. Déjà, le gameplay, il n'a pas l'air fifou, mais voilà. alors, ça t'a marqué. Alors, dans quel sens ça t'a marqué?
Avec, c'était ultra chiant, quoi. C'était un jeu Sony nouvelle génération. C'était une nouvelle génération. Moi, je passais de la GameCube avec les quand même plutôt bons Sonic Adventure 1 et 2 et le moyennement plus bon Sonic Heroes, moi, que j'avais pas mal aimé, tu vois. Et là, bah, Sonic nouvelle génération, nouveau graphisme et tout ce que tu veux. Et on a ça, quoi. On a ça, des temps de chargement de fou. Apparemment, t'as 36 personnages à jouables. T'as Thaïs, t'as Amy, t'as tous les personnages jouables sur la ferme, mais j'ai jamais pu voir le bout de ce jeu, ouais. Parce que bah, je te dis, j'ai fini la scène de Sonic, ça m'a saoulé. Et le pire, c'est pas Sonic, l'aventure de... C'était Silver, voilà, le hérisson un petit peu gris, qui ouais. Lui jouait plus, moins sur la vitesse, mais plus sur tout ce qui était téléportation et tout. C'était affreux, injouable, pareil, tu devais porter des caisses et tout, c'était... Mais une plaie à jouer, ouais. Ce personnage, c'était pire que les autres. Quoi. Donc c'était très très mauvais. Donc il m'a marqué... Donc, ça t'a marqué dans le mauvais sens du terme. Quoi. Ah oui, complètement. Un très très mauvais jeu, Sonic 2006. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des consoles, les gars, qui vous ont marqué plus que d'autres? Vraiment, la console qui vous a marqué, ça serait laquelle? Alors, ça serait quoi? Moi? Un petit peu. Je dirais SNES. SNES et PS1, mais pour des raisons un petit peu... PS1, je mettrais avec 64... Tout ça, c'est le début de la 3D. SNES, parce que c'est la quintessence du jeu vidéo pour moi. Et c'est une époque où tout est permis, on fait tout et rien. Les gars, ils sont créatifs, ils y vont à fond. Voilà. C'est pas encore l'industrie que c'est aujourd'hui, donc ils peuvent se permettre de prendre des risques. Il y a l'arrivée de la 3D, donc comme je disais, PS1, N64, qui est vraiment pour moi incroyable. Et la Switch. La Switch, les gars, j'ai dit dans plusieurs émissions que j'avais revendu ma Switch Lite pour acheter un PC sur lequel je suis en train de streamer là ce soir, et sur ce PC qui a une bonne carte graphique, etc., j'émule la Switch, mais j'ai arrêté d'émuler, j'ai racheté une Switch salon qui n'est plus Lite, qui est Switch classique, alors pas la OLED, mais j'ai acheté une Switch avec des jeux bien sympas. Je vais privilégier des exclusivités quand même pour la Switch. Parce que bon, quitte à acheter des jeux multiplateformes, je vais les prendre sur des plateformes qui sont plus sympas quand même, comme la PS4 ou la Xbox One. Mais il y a Christophe Ave qui nous dit la Switch pour les jeux indés. C'est vrai que c'est une console qui est faite pour ça. Mais la Switch, je te rejoins. Qui pour moi, c'est la Super Nintendo moderne. Ouais, un petit peu, ouais, il y a tellement de jeux différents. Après, il y a la Wii aussi parce que c'est novateur. Elle est décriée, mais au final, elle apporte quand même quelque chose. Elle apportait quelque chose. Après, on aime, on n'aime pas. Mais il y a la DS. Enfin, les consoles Nintendo, d'une manière générale, elles ont toutes apporté un petit quelque chose. À part peut-être la GameCube qui était vraiment une console classique. Et d'ailleurs, après, ils se sont détournés de ça. Je crois que c'est la GameCube, c'est vraiment la dernière console où ils ont voulu rester dans la course à la technologie, en fait. Et puis ils ont vu que finalement, ils apportaient rien de plus, qu'ils ne se démarquaient pas de la concurrence. Et je pense que leur intention, c'était de se démarquer de la concurrence plutôt que... Sans parler de puissance, je pense que ce qui les intéressait vraiment, c'était vraiment de proposer une expérience différente par rapport aux autres. Et pour ça, les consoles Nintendo, ouais, m'ont toujours. Moi, je suis un fanboy Nintendo, je m'en cache pas. Mais c'est pas pour autant que je vais cracher sur les autres. Alors, c'est très intéressant, les gars. On va faire une émission prochainement là. C'est bon, j'ai trouvé mes invités. On a Gamik pour les Nintendo. On aura Senyuki pour la PlayStation, et on va inviter la Mizenji pour la Xbox. Et on va faire le méga débat. Je cracherai sur les autres alors. Chacun se crachera dessus. Cracherai dessus et moi je mettrai mon imperméable et je vous regarderai et puis je ferai allez toi. Ah non mais il faudra. Allez, on va. Bon, je peux inviter un PCiste, mais bien sûr, mais on peut le faire. Toi, tu vas être trollé, toi. Tu vas dire, ouais, PC, il n'y a pas de problème. Sega quand même, un peu de Sega, les gars. Putain, ouais, c'est vrai. On va faire un méga truc. Le méga débat. PC, Sega, Nintendo. Ouais, c'est vrai qu'il y a Sega, ouais. On va faire ça en avril. Allez. Pour en revenir donc à la Switch, je trouve que c'est vraiment une console, le côté hybride, hein, de toute façon, tout simplement. Je vois moi, mes enfants qui jouent qu'en portable, moi qui joue qu'en docké. J'ai acheté une OLED. Bon, finalement, quand j'y joue en portable, ça m'arrive de temps en temps. C'est très rare, mais c'est vrai que c'est quand même vachement agréable. Mais je vois mon fils, lui, c'est que la Switch Lite. Et mais du coup, elle est adaptée vraiment pour tout le monde.
Ouais, alors j'ai vraiment l'impression que les enfants, ils jouent plus en mode portable qu'en mode salon. Ah ouais, complètement. Moi, je te dis, mes deux filles, elles, c'est qu'en portable, même avec le modèle normal. Et moi, c'est quasiment qu'en docké. Je suis un vieux con. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Là, tu vois, la mienne, elle est plus en docké. On est tout le temps en docké. Ok. Bah, après, ça dépend. Si on joue, quand on fait des jeux à plusieurs, on joue en docké. Mais si on joue en solo, en général, moi, ça va être docké. Les enfants, c'est portable. Ok, alors toi, tu es Team Nintendo. Pour toi, Voodoo, ouais. La console qui, pour toi, ça a été une console qui t'a marqué, ça serait laquelle ? Une seule, c'est compliqué, mais bon, Mega Drive, on va dire, pour l'ère 2D. Et 360 pour l'ère 3D. Voilà, les 360, j'ai adoré. Donc voilà, les deux qui m'ont vraiment marqué. Voilà, Mega Drive, en fait, c'était plus ou moins le. Moi, j'aimais bien cette espèce d'ambiance un peu plus mature, entre guillemets, tu vois, un peu plus violent, un peu, enfin, c'est comme ça qu'on la vendait, hein, d'ailleurs, mais un peu plus sombre, tu vois. Un peu plus ado, on va dire. Bah ouais, même les pubs, hein, tu te souviens, t'avais ouais. Tout le temps des mecs qui se fightaient la gueule, des punks et tout ça. Ouais. Oui. Ouais, c'est clair. Ah, bah, c'était génial. C'était le marketing. Je t'avais même préparé mon jeu. De cœur sur Mega Drive. Street of Rage. Ah, excellent. J'ai pris le 1, mais ils sont tous bien. Ben, le 3, je l'aime un peu moins, mais bon. Alors, techniquement, le 2 est même mieux, mais moi, c'est vrai que vu que je l'ai découvert avec le premier, ben, c'est celui de cœur. Et voilà, Comic Zone, enfin, t'as énormément de jeux. Tu vois, je t'avais même préparé les deux Disney de l'époque, c'était la folie, et moi, je t'avais préparé le petit World of Illusion, là. À deux, c'est génial. Ah, j'ai une question, les gars. Est-ce que vous avez fait le jeu Mickey qui est sorti sur Switch ? Ah, pas encore, il est sur la liste. Il me fait de l'œil, celui-là. Ah, c'est le remake ? Non, c'est un original. C'est quoi le nom du jeu ? Mickey, c'est Illusion of. Attends, ouais, un truc comme ça, Illusions of. Je choisis Illusion. Ah, en mode avec les graphismes, du dessin animé récent. Ouais, ça a l'air vraiment joli. Et ouais, c'est jouable en coop en plus, il me semble. Ouais, carrément. Ouais, c'est le dernier qu'ils ont présenté là, il n'y a pas longtemps. Bah, il est sorti. Il est déjà sorti il y a un moment, mais là tu parles. Ah, mais parce que là ils viennent d'en présenter un nouveau. Hein. C'est pas le remake. C'est le remake. Il y a un remake qui arrive, ouais. C'est pour ça que je confondais. Ah ouais, comment ça s'appelle ? Ah, Epic Mickey. C'est pas celui de Wii. Ah, Epic Mickey. Ouais, c'est un remake. Juste sorti sur PS1. Ouais. Alors, mais ce Mickey Illusion, je sais plus quoi là, faut que je le fasse sur Switch. C'est Illusion Island, je crois. Illusion Island, voilà, exactement. Ah, pas terrible. Mon fils, moi, c'est bien. Ouais, c'est un Metroidvania, mais il n'y a aucun challenge, il n'y a rien. Mon fils, moi, s'est beaucoup amusé dessus. Voilà, parce que. Mais bon, il y a. Ouais. Pour les enfants, voilà. Ça peut être sympa. Mais oui, après, il en faut pour tout le monde. Voilà, comme je vous dis, mon fils, moi, il a 7 ans, il s'est éclaté dessus. Oui. Moi, pas du tout. Et ça, tu peux jouer en coop, ouais. Tu peux jouer à 3 ou 4, ça apporte rien. Mais voilà, tu passes un moment en famille. Ah, cool. Bon. Bon, je sais à quoi m'attendre alors. Mais c'est vrai que les graphismes, j'ai vu des screenshots et ça me tentait bien. Alors, oui, joli. Ouais. Tu disais toi Team Sega et Xbox pour toi Voodoo. Ouais. Xbox 360, ça m'a énormément marqué aussi parce que j'avais un PC en plus qui tenait plus trop la route. Je prenais tous mes jeux là-dessus et en comparaison, on va dire avec la PS3, les exclus, je les aime beaucoup et PS3, mais tu sais, il y a beaucoup de jeux qui tournaient beaucoup mieux sur 3.6. En règle générale, les jeux qui étaient sur les deux plateformes. Ah, Bayonetta, premier du nom, déjà. Sur un certain. Ouais, carrément. Il était mieux optimisé pour la 360. C'est vrai que la PS3 au début, c'était assez compliqué pour les développeurs. Donc, Et puis la définition, c'est du 720p, je crois, pour la Xbox. Et... Oui, voilà. Je ne sais plus, tu peux même aller au 1080p en fait. Ouais, c'est ça la différence, parce que la PS3 elle est bloquée à 720 alors que tu peux monter à 1080 sur la 360, d'accord. Exact. Tu peux monter en 1080 sur la PS3. Hein. Possible. Ah, c'est certain. Mais par contre, je mettrai un petit bémol à la 3.6, c'est les deux LED rouges que, que mon frère il a eu. Ouais. Ça, c'est le test. Ouais, putain, il en a eu deux, lui, pas de chance. Moi, j'en ai mais eu ouais, eu, même mais la manette. La manette 3.6, je la trouvais excellente, quoi. Ah ouais, meilleure manette. Une des meilleures manettes, ouais. Une des meilleures manettes. Manette Xbox, excellent.
Une des meilleures. Avec la GameCube. Je mettrais la GameCube aussi. La manette GameCube quand même dans le top 3. Pour toi, John Sparrow, ça serait quoi la console qui t'a marqué? J'en prends deux. Déjà, voilà. Sans surprise, la GameCube. Oh, alors je suis en plein dans le remaster là. Je suis en plein dans le remaster sur Switch. Voilà. Et ça, je crois que c'est mon jeu GameCube préféré en fait. Avec Smash. Ouais, ça, alors, Smash. Tu préfères le premier épisode ou Echoes, le 2? Non, celui-là. Moi, j'ai préféré Echoes, tu vois. Ah, mais tu vois, c'est surprenant ça. Parce que souvent, on parle de lui, Echoes est bien, mais. Alors, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai découvert le 2 avant de faire le 1. Le 1, c'est une maîtrise de level design. Ah ouais. Et le 2 m'a amené à faire le 1 parce que j'avais bien aimé le 2. Et du coup, j'ai acheté le 1 et j'avais adoré aussi. Mais dans le cœur, comme j'ai connu le 2 avant le 1, c'est une expérience de jeu. Quoi, c'est ça. C'est souvent le premier que tu fais que voilà. Qui te marque, évidemment. Enfin, tu vois, les Metroid, je connaissais pas les Metroid avant celui-là, en fait. Je sais qu'il y a le Fusion qui est sorti en même temps, on l'avait fait vite fait, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Mais c'est celui-là que j'ai fait vraiment de fond en comble, avec le guide sur les genoux et tout, pour avoir les 100%, toutes les réserves de missiles partout, machin. C'était un kiff de fou. Et j'ai fait le Super Metroid après. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais les gars, c'est un truc de malade, quoi. Ils ont réussi à retranscrire. Ils ont pris un risque. Ils se sont fait cracher dessus. Ah ouais, non, mais que ça soit l'ambiance, que ça soit le système de jeu, que ça soit vraiment c'est vraiment le Super Metroid retranscrit en 3D, Senso, Scripto, quoi. C'est hallucinant. J'hallucine. Alors, est-ce que tu es plus, du coup, en ayant connu Metroid à l'époque et maintenant les Prime, etc., en 3D, t'as une préférence pour quel type de Metroid? Je te dis, moi, c'est le premier. J'adore les Metroid en 2D que j'ai fait plus tard, le Super Metroid, le Fusion que j'avais fait à l'époque, et c'est tout, j'ai pas encore fait le Dread. T'as pas fait le Dread? Il est exceptionnel. J'ai pas fait le Dread. Il faut que je lance. Il est génial, le Dread. Il est génial. Il est dans la liste. Ah, il faut que tu le fasses. Et pareil, le Metroid... Vas-y, je t'en prie. Ah, pardon, non. Pour finir sur Metroid Prime, c'était le Echoes que j'ai pas terminé, en fait, j'ai jamais fini. Donc c'est pareil, c'est un Metroid qu'il faudrait que je finisse, au moins, parce que je l'ai commencé. Ça m'a rebuté le côté monde light, monde dark, la copie de la planète. Surtout le monde dark, si je me rappelle bien, tu avais des zones où tu pouvais t'abriter. Sinon, tu perdais ta vie si tu étais dans le monde un peu plus... C'était un peu chiant, ouais. Tu avais plus de contraintes, c'était moins libre que dans le... Et tu as un mode multi. T'as un mode multi dans le... Et celui-là dans le 2, on l'a fait pas mal. Et franchement, ok, c'est pas du GoldenEye, c'est pas de tout ce que tu avais avant, du Counter ou quoi. Mais nous, on a bien rigolé. Franchement, on a bien rigolé sur le multi Metroid Prime. C'est gadget, mais c'est sympa. Et d'ailleurs, le 1 qu'on avait refait sur Wii avec la manette Wiimote, très très bien aussi. Franchement, c'était un kiff de pouvoir. Moi, j'aime bien la maniabilité Wiimote. Ça m'a jamais trop rebuté. J'ai adoré le refaire. Et là, je l'ai commencé sur Switch. C'est bien avec fait. La nouvelle maniabilité, c'est super. Franchement, c'est super bien fait. Alors, du coup, quand tu joues sur GameCube et sur Switch, pour ceux qui n'auraient connu que la version Switch en remaster, ça n'a rien à voir avec la maniabilité qui était pensée pour la GameCube. Eh ben, sur Switch, tu as trois maniabilités. Tu as la maniabilité GameCube, et Wii, et Switch, en fait. Donc, tu as les trois. Donc, si tu as envie de te refaire la maniabilité GameCube avec un joystick, tu peux. Si tu veux te faire la maniabilité récente avec les deux joysticks, tu peux. Et si tu veux la faire la maniabilité motion control, tu peux aussi. Quoi. Donc, c'est super cool. Franchement, c'est la version ultime, c'est la version Switch, le remaster sur Switch, le remake sur Switch, qui est plus beau que n'importe quel jeu Switch. Quoi. Enfin, il est magnifique. Il est super. J'exagère. Un grand merci à John Doe. Il est beau. Il est très beau. Pour un remake, c'est impressionnant. Ouais. Merci John Doom en tout cas, merci. Tu dis GameCube, c'est ma console de cœur, c'est la première console que j'ai vraiment collectionnée, que j'ai achetée et tout ça. Mais sinon, c'est la première, ça reste la Mega Drive comme Voodoo, Sonic sur Mega Drive, ça a été. Et surtout la Mega Drive, pas la Genesis, la Mega Drive européenne qui reste dans mon cœur aussi. Quoi, donc, ouais. Mega Drive, GameCube. Voilà. Ok. Pour toi, l'ami qui se banne, il va nous dire PC, je le sens. Allez, vas-y. Bah non. Ah, il va dire, attention, il troll encore, attention. Alors, c'est PC. Oh, bah non, je vais pas troller. C'est PC, ça marche. C'est PC, ça marche. Alors, Amstrad, j'étais tenté. Rick Dangerous. Je vais faire en deux temps, alors. Je vais faire en deux temps. Allez, fais en deux temps, vas-y. J'allais dire la Dreamcast, parce que pour moi, c'est la Dreamcast qui m'a le plus marqué au total. Une période un peu bizarre où en fait mon pote arrive avec quasiment le full set
en CD gravé. Et puis on joue à tout ce qui nous tombe sous la main et on a dû passer du temps sur pas mal de jeux. Moi, j'ai découvert des shoot'em up absolument géniaux. J'ai adoré Ikaruga, par exemple. J'ai vraiment adoré Ikaruga. J'y ai passé un temps énorme dessus. J'ai découvert également Dead or Alive, puisque Dead or Alive 2 est sorti sur Dreamcast. Et en fait, ça a été vraiment une grosse révélation parce que depuis, c'est mon jeu de combat préféré depuis que j'y ai joué sur... Il y a Soul Calibur aussi qui était vraiment un de mes jeux de combat préférés parce que je possède le 6, auquel je continue de jouer sur PS4. C'était pour moi la découverte de plein de licences arcade que j'ai adoré à l'époque et que je continue d'adorer aujourd'hui. J'ai adoré Crazy Taxi, je les ai fait le 1 et le 2, j'ai vraiment adoré. C'était l'époque un peu ambiance MTV, un peu avec le ton Pimp My Ride et toutes les émissions MTV qu'on pouvait avoir au début des années 2000. Pour moi, c'est une période avec énormément de nostalgie parce que c'était encore l'époque où à la télé, sur une chaîne de télé, on pouvait facilement avoir du rock, du punk, un peu de métal, mais surtout du rock et du punk. Et c'était vraiment une époque que j'ai adorée. Alors, par contre, le bémol, c'est que on avait pratiquement que des jeux gravés. On n'achetait pas nos jeux parce qu'à l'époque, mon pote, lui, il m'avait tout de suite mis il m'avait tout de suite mis dans la sauce, quoi. Il m'avait tout de suite mis dans le réflexe de tout avoir en version non officielle. Exactement. Oui. Par contre, tu vois, la console, il me l'avait fait acheter Day One. Donc, il était vraiment à fond et c'est vrai qu'il m'a engrainé. Et après, je me souviens que le premier jeu auquel on a joué, lui et moi, c'était sur un jeu original pour le coup. Et on a passé une nuit blanche sur Chouchou Rocket. Et ça a été notre premier contact avec la Dreamcast. Et on a adoré passer une nuit entière sur Chouchou Rocket à essayer de trouver à chaque fois comment passer à la scène suivante. Donc voilà pour la Dreamcast, moi c'est vraiment ça. Et l'autre truc que je voulais dire, j'avais préparé juste vite fait sur l'Amstrad, le premier jeu de ma vie de gamer que j'ai terminé. Je t'en avais déjà parlé dans un RNG, je t'en avais parlé dans un 10 minutes pour convaincre, c'est Prince of Persia sur Amstrad. Le Prince of Persia sur Amstrad, il est vraiment super réussi. Pour le coup, il est à la hauteur de ce qu'on a pu avoir ensuite sur Super Nintendo, sur PC, sur Amiga, sur Atari ST, il est à la hauteur. C'est-à-dire que vraiment, on a un rendu visuel qui est à la hauteur de ce qu'il y avait sur les autres machines, alors que l'Amstrad était une 8 bits un peu poussive, avec des graphismes pas terribles. Là, ils étaient arrivés à faire quelque chose de vraiment excellent. Et donc, c'est ce qui m'a donné goût à Prince of Persia. Et l'Amstrad, c'est également ce qui m'a donné le goût à l'arcade. Par exemple, je vais vous citer Chase HQ. J'adore la bande d'arcade de Chase HQ. Donc, une sorte de Outrun, quelque part. Sauf que, on incarne les flics, je crois. Je sais plus si on incarne les flics ou on incarne les bandits. Mais en fait, j'y ai joué énormément. Quand je suis tombé ensuite sur la bande d'arcade, j'étais ravi. Mais sur Amstrad, c'était des graphismes qui étaient vraiment pas très bons. Mais à l'époque, l'imagination se greffait là-dessus et on prenait beaucoup de plaisir. Et donc, que ce soit chez HQ, Afterburner, Operation Wolf, R-Type, Double Dragon, plein de jeux qui étaient sortis en bande d'arcade, mais qui sont également sortis sur Amstrad, ça m'avait mis le pied à l'étrier pour tout ce qui était arcade. Et c'était suffisamment abordable et comment dire, c'était d'une qualité suffisante pour me donner le goût de m'accrocher et d'essayer de continuer d'y jouer. C'était pas un repoussoir, c'est-à-dire que c'était pas le côté au bout de 5 minutes t'en as plein le cul puis tu veux passer à autre chose. Non, c'était suffisamment réussi pour te donner le goût de te dire tiens, j'y rejouerai demain ou j'y rejouerai ce soir. Voilà. Donc voilà, la Dreamcast pour le côté vraiment l'abondance, l'opulence, et puis l'arcade, l'arcade du début des années 2000, et puis l'Amstrad pour l'arcade à la maison du milieu des années 80,
sur une machine 8 bits. C'était ma première, il y a sans doute beaucoup de nostalgie, mais voilà. Eh ben les gars, on a passé 1h48 ensemble. Rapidement, on vous retrouve sur vos chaînes à tous. Gamik, tu as une chaîne? Oui, je vais remettre ça dans la description. Tu nous avais dit que tu avais fait un top 100, il me semble, tout à l'heure. Ouais, il y a quelques temps. Je l'avais fait en live, je l'avais fait en deux parties, parce que top 100, mine de rien, putain, c'est long. Ouais, là, tu donnes, on ne se rend pas compte. Et puis, rien que le fait de le faire, je vous invite à le faire. Je crois que j'ai mis 2 ou 3 semaines à faire ce top 100. Parce qu'il y a des jeux que t'enlèves, d'autres que tu mets, d'autres que... Ah, mais celui-là, je le mets trop, je suis pas objectif, machin. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai tout envoyé balancer et j'ai dit, je fais le mien, en fait. J'en ai rien à foutre d'être objectif. Ouais. Donc du coup, il y a des jeux comme Super Tennis. Y a... Même si à la fin, les meilleurs jeux, tu les retrouves un petit peu dans tous les tops. Mais voilà. Quoi. Mais ouais. Okay. Eh ben, je vais mettre le lien de ta chaîne dans la description pour que les gens... Mais on fait essentiellement du let's play, quoi. Des découvertes, des tests. Je mets ça dans la description dès ce soir à la fin de l'émission. Voodoo, toi on ne te présente plus, ça y est, tu fais partie des amis des RNG sans problème. Chaîne où tu fais des débats tous les vendredis. Ouais, émission tous les vendredis. Voilà, tous les vendredis soirs. Alors bon, débat, ça dépend. Oui, parfois je fais des libres antennes également, mais parfois je fais aussi des sujets précis où j'ai des invités. Ouais, tu fais un peu ce que je fais à ta sauce, ouais, c'est clair. Non, mais c'est un peu la même chose. Donc, je vous invite à. Ouais. On parle aussi de cinéma. Ouais, cinéma, tu fais cinéma aussi. Ouais, cool. T'es déjà allé sur sa chaîne, John? Je sais plus. Ouais, complètement. Non, pas en invité, mais je regarde pas mal de ses vidéos. Ouais. Ben, je vous invite à aller sur la chaîne à l'ami Voodoo. John, pas de chaîne? Si, une chaîne sur Star Wars. Ouais, la chaîne Star Wars en direct, toujours pareil. Oh, il a le t-shirt. Attention, avoir des t-shirts de sa chaîne, c'est pas bien. Ah ouais, ça fait plus. Oui, il faut que j'en achète un de ma chaîne. Il faudrait. Mais ça s'appelle Star Wars en direct. Là, en ce moment, on critique les épisodes de The Bad Batch, la série animée, plus tous les comics et les romans qui sortent constamment. Donc, ouais. Voilà. Et ouais, là, il y a la bande-annonce de The Acolyte qui est sortie aujourd'hui, et on va la critiquer demain. Bon, on a un live demain, si vous voulez. Ben, heure québécoise, c'est quelle heure? Ça fait du 2h du mat. C'est du 7h30 heure québécoise, et je crois qu'il y a 6h d'écart. Mais là, on a changé d'heure d'été, et pas vous encore. Du coup, on est à 5h, je crois, d'écart. Après, ça sera disponible en replay, les gens pourront... Mais voilà, il y a toujours le replay. Donc, alors, c'est Star Wars en direct. Star Wars en direct, c'est ça. Ben, ça sera en replay, je pense, pour Star Wars en replay. Star Wars en replay. Pour les Français, c'est Star Wars en replay. Voilà. Et l'ami qui se banne, toi, t'es mon copain de la chaîne, toi, ça y est. On s'est vu à Paris, c'était génial, on a passé une bonne journée. Et il faut qu'on se fasse une journée, comme on a dit, en région parisienne pour aller jouer à la Geekroom. Voilà, avec l'ami Kevin Arsenault. Faut qu'on se fasse ça. Tu vois, là, je suis pas sur Paris là en ce moment. On fera ça dès que tu seras à domicile. Alors, Kisban, toi, ta chaîne, c'est des vide-greniers, des... Il y a du vide-grenier, il y a du retour de cash, il y a du gameplay un petit peu. Là, les deux derniers gameplays, c'est Chuck Rock sur Mega Drive. J'ai joué pour la première fois à Chuck Rock sur Mega Drive. C'est ma dernière vidéo, si vous voulez jeter un œil. Et avant-dernière, c'était ma première fois sur F-Zero GX. J'ai joué pour la première fois. C'est des jeux que tu découvres pour la première fois. Ouais. Voilà, c'est ça, j'y joue pour la première fois. Donc ça à regarder, c'est particulier, c'est que je ne connaissais pas le boost et je connaissais pas les attaques latérales. Donc en fait, pendant 20 minutes, je joue sans boost. Et je pense que pour quelqu'un qui connaît bien le jeu, c'est à s'arracher les cheveux. Hein. Donc voilà. Et puis le Chuck Rock. Sans spoiler ce qui se passe, je me retrouve coincé à un moment donné. Bon, voilà. Comme en dans gros. Beaucoup de jeux rétro, on se trouve coincé. Oui, puis les jeux de plateforme de cette époque-là, à un moment donné, quand c'est pas intuitif, tu trouves pas. Et comme ma règle, c'est de ne pas chercher sur Internet pendant que je suis en train de rester coincé, je fais tant pis, je vais quand même essayer de trouver une sorte de sortie. Ce que tu peux faire à la limite, et ça serait sympa, c'est que tu appelles le Halo direct là, qu'il faisait à l'époque, tu sais. Quand, ah oui Le SOS, je suis bloqué. Ouais, c'est vrai, ça existait ça à l'époque. Ouais, je sais pas, vous avez déjà utilisé ce genre de service? Ma soeur, elle l'avait fait pour les chevaliers de Baphomet. Elle était bloquée avec la chèvre. Et elle avait téléphone, elle avait beaucoup de gens ont été bloqués. Il y a quelqu'un qui me dit faut faire ci, faut faire ça. Ouais, à l'époque. Et voilà.
Eh bien, les gars, merci d'avoir participé. On se retrouve jeudi pour une émission sur le PC. C'était un grand plaisir de vous avoir pendant ces 2 heures. Et j'espère vous avoir très prochainement pour une autre émission. Et merci à ceux dans le chat, merci à John Sparrow pour son don de 5 euros. Ça fait toujours plaisir. Et à ceux qui. John Doom, pardon. Ultimate John Doom, merci pour ces 5 euros. Il a fait un don de 5 balles. J'irai me payer des cafés. Et là, il faut que j'aille faire pipi. J'en peux plus. Allez, je lance le générique. Et si vous voulez rester quelques minutes pour discuter en off, il n'y a pas de souci, je reviens d'ici quelques instants. Les amis, merci à tous d'avoir participé. À très vite.